Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous votre guidance sentimentale, donc du mois de février. On va regarder chaque signe comme d'habitude du bélier jusqu'au poisson. Donc on va, bien sûr vous avez votre time code juste en dessous de la vidéo pour aller directement sur votre signe. Vous pouvez regarder vos signes Vénus aussi, en particulier sur l'amour. Donc si vous ne connaissez pas votre signe Vénus, c'est la même façon de vous calculer votre ascendant. Donc n'hésitez vraiment pas, ça peut vous apporter plus de compléments. On peut regarder son signe lunaire, son ascendant également, mais voilà, en plus de votre signe essence, le Vénus en particulier vous collera en particulier sur cette vidéo. Donc on va regarder bien sûr le sentimental et uniquement le sentimental. On va regarder un petit peu les énergies qui vont s'accompagner pour chaque signe. Prenez bien ce tirage avec le recul nécessaire. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc ce qui vous parle, vous prenez, sinon vous poussez. Si ça ne vous résonne pas, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que c'est important de regarder vos signes complémentaires parce que ça peut compléter votre signe de naissance, voire peut-être même plus vous parler si vous regardez votre signe Vénus ou votre lunaire par exemple, vous voyez. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour vous, c'est à votre dispo, donc n'hésitez pas. Donc on va regarder un petit peu tout ça, on va commencer donc avec vous les béliers. Si vous avez besoin de tirage privé, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous avez tout sous la vidéo. Donc vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs Perles, vous retrouvez tout ce que je vous y propose. Allez, c'est parti, on commence avec vous les béliers. On regarde l'énergie de votre mois de février sur le sentimental et uniquement sur le sentimental. Alors, sur l'énergie, pour vous les béliers, vous allez avoir des discussions. Il est question de discussions, de réunions, ça peut être des conversations importantes à mettre à plat. Je vois des projets pour vous, vous êtes en train de réfléchir à des planifications de projets, ou que ce soit aussi peut-être dans une manière de voir les événements à venir sur votre sentimental. Je vois aussi des discussions qui seront importantes si vous êtes autour, bien sûr, aussi de tout ce qui est procédure, etc. J'essaye de penser à tout le monde, mais voilà, ça reste général. Donc, du coup, je vois pour certains qu'il y a, si vous êtes dans des séparations et des divorces, je vois des choses qui vont s'acter autour d'une table de réunions et de discussions qui seront importantes pour une forme de libération. La communication sera votre clé sur ce mois de février et ça vous invite aussi, j'entends parler, de planifier les choses. J'entends également pour vous les béliers qu'il y a un besoin d'être un peu épicurien sur ce mois, un besoin de se faire plaisir, un besoin de partager des moments de convivialité aussi avec la personne que vous aimez ou des personnes que vous aimez, bien entendu. Alors, le petit défi, quel est le petit défi? C'est les signatures, c'est les contrats, c'est les accords, c'est peut-être pour certains une résilience. Ça peut s'accompagner aussi peut-être d'un projet que vous allez devoir concrétiser. Et vous attendez pour certains des signatures, des accords ou quelque chose qui se conclut par rapport à une procédure. Pour certains, vous pouvez fêter ou en tout cas, ça peut être un mariage qui pourrait s'officialiser, une demande bien sûr de mariage, des fiançailles. Ça peut être aussi un anniversaire de rencontre ou de mariage, quelque chose qui est important pour vous, que vous avez envie de mettre en concret et sur du concret. Vous avez besoin de concret, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? On vous parle de retard, de contretemps. On vous dit que les choses pour l'instant soit ne sont pas encore complètement abouties, d'où peut-être la problématique de vraiment acter quelque chose, soit c'est parce que pour l'instant, cette relation ou les projets que vous avez avec cette personne mettent plus de temps. Il y a un besoin aussi, j'entends parler, de vous écouter, les béliers. Si vous êtes dans une situation où vous attendez trop longtemps, vous pourriez louper le train, arriver trop tard, et ça serait bien dommage. Mais pour d'autres, ça vous dit que voilà, même s'il y a des choses qui mettent un peu de temps ou qui pourront mettre un peu de temps, je vois qu'en conclusion, avec de la discussion, il va se passer des événements assez intéressants pour vous. Ok, allez, on commence avec le béline. Alors, quelle est l'énergie pour vous, les béliers? Allez, on vous parle de sagesse, on vous parle de l'eau et on vous parle de l'étoile de l'homme. Donc on me parle d'une situation dans laquelle il y a un besoin de dialoguer, de discuter, de faire un peu le point aussi sur vos émotions parce que je vous sens un petit peu à fleur de peau. Je sens que
Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous qui a peut-être un petit peu des choses sur le cœur qui peut-être le malmène ou la malmène. Et donc, on vous dit d'y aller en douceur. On vous dit de faire les choses en douceur. Il y a besoin aussi de se remettre de peut-être de quelque chose au niveau émotionnel qui vous aurait vachement attristé ou en tout cas voilà, mis un coup un petit peu sur le cœur. Et donc du coup, on voit que vous remontez de ça. Pour d'autres, vous voyez, on est en plein litige par rapport à une maison, par rapport à des décisions, par rapport aux financiers, à la maison. Ça touche un peu tout ça. Et donc, on vous dit que vous avez encore des petites choses à régler. Ou la personne en face de vous a des choses à régler par rapport à une séparation, un divorce, si vous êtes dans des triangulaires, etc. Ça peut être aussi un ex ou une ex aussi dans lequel vous êtes encore pris dans des procédures ou que cette personne est toujours un petit peu sur vous, sur vos côtes. Et donc, du coup, ça vous met les nerfs en pelote, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les béliers. Allez, nickel. On a le soleil qui fait surface. Alors, je ne vais pas les prendre. Elles ne sont pas tombées toutes seules comme ça, sans que je batte avec l'intention. Allez, super. On en a deux qui débarquent. Oh, très très bien. Bon, pour certains, il y a un besoin de s'ouvrir un petit peu dans des projets. Vous êtes un peu surexcité pour certains parce que j'entends qu'il y a des super projets qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de potentiel dans une relation. On est vachement sur des choses aussi très matérielles qui se concrétisent. Il y a un besoin de concrétiser des choses matérielles. Ça peut être aussi professionnel dans ce que vous allez entreprendre avec cette personne. Donc peut-être que cette personne a besoin de concrétiser quelque chose de son côté ou de prendre conscience de quelque chose de son côté pour complètement se laisser ouvrir et épanouir à une relation. En dos, vous voyez, tout à fait. On a le, que je ne me trompe pas, oui, c'est bien le 9. Le 9 d'épée. Donc on vous parle de souffrance disparue, d'un besoin de sortir, d'une déception, d'une souffrance, de quelque chose qui a peut-être vous a fait du mal ou a fait du mal à la personne en face de vous dans cette relation. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous ou la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a souffert. Donc du coup, qui n'ouvre pas son cœur non plus comme ça. Donc ça met du temps. Si vous êtes dans une relation, il y a une tristesse qui a peut-être atteint la personne que vous aimez ou qui vous a atteint à vous. Et il y a un besoin de se remettre d'une tristesse que vous auriez vécue ou que cette personne a vécue. Avec vous, cette personne a la force de pouvoir se remonter ou c'est cette personne qui vous donne cette force-là. On est en général, hein, donc j'essaye de me calquer au maximum de ce que je peux entendre. Je vois qu'il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de discussions, avec beaucoup de sagesse, vous saurez tirer les épingles de votre jeu. Hein. Clairement, là, il y a une possibilité vraiment d'avenir dans votre construction personnelle et sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, on vous parle de déplacement du bateau. On vous parle d'un changement à venir, de quelque chose qui bouge, qui avance. Vous faites les choses avec prudence, mais enfin, les choses se débloquent et avancent. Ça peut vous parler aussi d'un emménagement avec cette personne ou d'une décision de vivre, de passer des caps importants avec cette personne. Mais vous avez besoin que ça bouge. Vous attendez, vous êtes super patient et patiente, mais là, vous êtes un peu comme ça. Bon. Vous voyez, avec mes doigts, on est en mode, bon, alors, on y va? Voilà, on est un petit peu comme ça, les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Ouais, on a la chance et on a encore l'homme qui se positionne. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là, au niveau du masculin. En dos, on a le bouquet, très mignon. Alors, ça peut vous parler d'une personne qui pourrait venir vers vous faire le premier pas ou en tout cas, qui s'ouvrirait dans une nouvelle relation et qui pourrait peut-être plus vous exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous. Il y a une possibilité d'évoluer ensemble. Hein. Par contre, il y a une envie peut-être de dire ce qu'on a sur le cœur, de confier ce qu'on a sur le cœur. J'ai l'impression que c'est plutôt bien vécu en face de vous. C'est peut-être des changements qui seront à venir, qui pourraient être légèrement déstabilisants, mais qui pourraient vraiment avoir un super potentiel. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc, on est OK. On va regarder pour les couples ce que je vois en particulier. Alors, pour les couples, alors je vais me faire de la place entre. On va faire comme ça. Comme ça, je vais essayer de caler. Pour les couples, je vois l'effondrement, quelque chose qui a été, je vous dis, impactant,
quelque chose dans lequel vous avez besoin encore de croire et dans lequel vous êtes un peu égaré. Ok, alors pour certains couples, soit c'est une situation qui est actuelle sur ce mois de février, soit il y a des choses qui vont venir vous bouleverser. Et donc du coup, je sens, voilà, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. Vous avez envie de concrétiser les choses. Et pour certains, c'est enfin ce que vous attendez. C'est-à-dire, ça fait un moment que vous attendez que les choses évoluent parce qu'on était coincé, bloqué. Et j'ai l'impression qu'il y a cette discussion, cette réunion qui va venir accélérer le pas. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les couples. Est-ce que j'ai encore autre chose pour vous? Oui. Allez, on sort d'une punition. On a l'impression, vous commencez à vous agacer par contre, hein. Il va falloir être patient, vraiment les béliers, si vous voulez obtenir que les choses s'arrangent en tous les cas, il va falloir être patient. Pour d'autres, si vous êtes dans des séparations, parce que vous pouvez être en couple, mais en pleine instance de séparation, c'est compliqué, ça vous dit de vous changer d'air, ça vous dit de ne pas rester dans une configuration qui est un petit peu conflictuelle, dans laquelle il y en a besoin d'aller au bout d'une situation, qu'elle soit administrative ou autre. Et on vous dit de faire confiance à l'univers parce qu'on a la carte de la foi. Donc, il y a vraiment une possibilité de croyance de pouvoir débloquer une situation. Donc, on vous dit qu'avec beaucoup de patience, les choses vont bouger et évoluer vers de la lumière. On regarde pour les célibataires. Allez, on vous parle d'un avenir possible pour les célibataires. Un avenir possible. Attention aux excès, donc d'où aux émotions. J'ai l'impression que attention à ne pas ouvrir votre cœur n'importe où, n'importe comment. Vous avez peut-être une personne aussi qui peut être un tantinet excessive ou vous aussi. Donc on vous dit de faire attention aux excès, aux emportements, les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, on vous parle de foyer, de maison. Peut-être que vous avez beaucoup d'attentes aussi, ce qui peut mettre beaucoup de pression. Vous savez tellement bien ce que vous voulez que du coup, ça peut mettre aussi la pression par rapport à d'autres personnes en face de vous. Je vois aussi qu'il y a un besoin, alors soit pour certains de sortir tout simplement, de rencontrer du monde, de pouvoir voir du monde, vous ouvrir à de nouvelles personnes, accepter certaines invitations qu'on pourrait vous faire. Et pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, c'est aussi un besoin de se recentrer sur soi, sur ses besoins, parce que émotionnellement, peut-être qu'il y a pas mal de choses dans lesquelles ça a été un petit peu difficile. Donc pour certains, j'entends parler comme d'une forme de thérapie ou en tous les cas d'un besoin de prendre conscience de certaines choses pour vous sentir plus dans l'apaisement. Et pour les triangulaires, on regarde pour vous. Allez, on parle d'une évolution de cette personne. Vous attendez que cette personne prenne des décisions, évolue avec vous. Vous avez de plus en plus besoin d'affection, de tendresse. Vous attendez plus de cet homme, en tous les cas, ou en tout cas de cette relation. On vous dit que vous posez certaines questions, mais vous allez avoir les clés pour vous, tout simplement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau dans votre triangulaire. Il y a besoin, soit vous êtes dans la nouveauté de cette relation, c'est nouveau cette relation-là, soit vous avez envie que cette personne se positionne par rapport à votre relation. Et j'ai l'impression que cette personne voit de plus en plus clair dans la relation. Tous les échanges que vous avez avec lui ou elle, ça lui permet de mieux voir le potentiel de votre relation. Et pour certains, ce qui bloque, ben forcément, c'est que cette personne est engagée. Donc, c'est encore le blocage de février, c'est votre défi. Mais j'ai l'impression quand même que vous allez avoir des clés importantes pour vous. Voyez, j'allais dire, le bilan, c'est quoi de votre guidance? C'est la communication. Depuis tout à l'heure, je vous dis que ça sera la clé de votre mois de février, les béliers. Donc, il y a une communication qui sera importante. Vraiment, ça vous invite à communiquer, de rester calme. Par contre, soyez calme, parce qu'attention au comportement explosif, voire excessif des fois. Mais voilà, restez calme, restez dans la communication. C'est ce qui pourrait vous aider à débloquer une situation un petit peu tendue ou en tous les cas dans laquelle vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu crispé, bloqué, etc. Donc avec la sagesse, vous débloquez les choses quoi qu'il en soit.
Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification aussi si vous avez envie. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt. Allez, à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. On y va sur votre sentimental de février. On regarde ensemble. Alors, sous quelle énergie vous allez être. Alors, on a la séparation. Alors, pour certains, il y a des séparations forcément dans l'air. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ce mot-là. Donc, pour vous, je sens qu'il y a un besoin de couper, de trancher, de vous délester de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous demande de couper, de vous séparer de quelque chose qui n'est plus bon, qui n'est pas bon. De laisser quelque chose aussi derrière vous, les taureaux, ou de sortir d'une vieille rancune ou d'une problématique ou des choses du passé. Ça peut vous parler d'un ex ou d'une ex aussi, peut-être qui va peut-être faire surface ou en tout cas qui... Vous allez entendre parler de cet ex autour de vous sur ce mois de février. Il y a cette notion en tout cas de ne pas laisser le passé revenir dans votre présent. Vous n'en voulez plus, vous avez besoin voilà, de couper. Pour certains, c'est ben, de vous séparer, clairement, si ça ne va pas. Et pour d'autres, ça peut être vous séparer de personnes toxiques autour de vous, d'arrêter de faire quelque chose que vous faisiez, vous, machinalement, en fait. Donc, ça peut être l'arrêt de mauvaises habitudes aussi, etc. Alors, votre défi, quel est-il? C'est les compromis. C'est d'accepter les compromis, d'accepter peut-être, je vous parlais d'une vieille rancune tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Pour certains, c'est faire le trait sur le passé ou de trouver des compromis par rapport à une séparation, à un litige ou à une problématique. Il y a un besoin de couper aussi peut-être quelque chose dans lequel vous êtes encore relié. Parce que cette poignée de main aussi, j'entends derrière, on me donne l'information que cette personne, peut-être vous avez du mal à lâcher ou c'est cette personne qui a du mal à vous lâcher. Donc, il y a aussi quelque chose dans lequel vous devez lâcher prise. Ça peut être le contrôle aussi, hein. Bien sûr, le lâcher prise, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Je dirais que c'est presque une des missions les plus compliquées qui touche l'intégralité des gens à 99,9%. Donc voilà, il y a le lâcher prise qui est un petit peu compliqué. On vous parle de temps, on vous dit de vous laisser du temps, le temps de guérir, le temps d'avancer. Le temps aussi, peut-être pour certains, c'est le bon moment aussi, peut-être pour cette séparation, vous sentez que c'est le moment. Donc, il y a une histoire d'horloge là-dedans. Ça peut être une horloge aussi biologique hein, que vous ressentez, quelque chose qui a assez duré, voilà, il faut que ça cesse, j'entends, pour certains. Ok, allez, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline pour vous les taureaux? Alors, on y va. Pour vous les taureaux, qu'est-ce que je vois? Alors là, je vais prendre les deux qui se sont retournés parce que j'en veux trois. Alors, on va les espacer parce qu'après, on va faire plein de choses. Allez, on parle d'une passion dans l'union et on parle de travail. Alors, est-ce que c'est une relation sentimentale au boulot? Est-ce que vous faites la rencontre d'une personne sur le plan professionnel, quelqu'un avec qui il peut y avoir plus que de l'amitié, ou plus que un collègue, une collègue, etc. Ouais, on a le trafic, donc il y a quelque chose qui vous travaille. L'esprit, une relation dans laquelle vous êtes dans la passion, peut-être des projets que vous avez envie de faire avec cette personne, mais j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui vous travaille ou dans la passion, parce que de toute façon, les taureaux, vous êtes des passionnés de nature, mais... On a cet esprit quand même, malgré tout, voilà, du professionnel autour de vous. Donc, est-ce que c'est une personne de votre lieu de travail ou quelqu'un qui est dans ce milieu-là ou cette rencontre que vous pourriez faire sur le travail? On voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne. Ça peut être par des papiers aussi. Vous pouvez faire une rencontre par des papiers. Et pour d'autres, dans les procédures, vous êtes en pleine remise en question. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Donc, pour certains, vous êtes en train de penser à partir et de ne pas rester dans une relation qui ne vous correspondrait, plus, en fait, clairement. Alors, on va regarder, on recouvre avec le tarot pour vous les taureaux. Alors, on en a deux. On a le roi de bâton. On a le jugement. Vous avez un petit peu peur de ce qu'on va penser de vous.
de cette relation, de cette passion, de cet amour que vous avez dans les couples, vous avez peur. Peur. Vous devez peut-être voir clair autour de vous une personne peut-être qui n'est pas... Ah, j'en ai deux. Écoutez, je vais les prendre. Elles veulent venir absolument. Je vais les prendre. Donc, on vous parle du diable. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais en même temps, vous tournez le dos à une situation qui ne doit plus être là dans votre vie. Vous avez un besoin de laisser le passé derrière vous et de passer à autre chose. Soit c'est une personne avec qui vous travaillez et on vous dit de couper parce que cette personne vous veut du mal ou vous fait du mal et ça ne vaut plus la peine. Et là, pour le coup, il est perçu comme le diable, comme une personne avec des mauvaises intentions. Il y a un besoin de ne plus se laisser, en tout cas de ne plus se laisser déstabiliser, redescendre vos énergies. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de cette sphère de professionnelle. En dos de deck, on a le roi de pentacle. Donc, on a quelqu'un qui peut être un tantinet manipulateur quand même, attention. Hein, qui peut voir que les bons côtés hein, dans la relation, qui peut être matérialiste et qui pourrait faire valoir les choses de son côté. Parce que autant à la base, le roi de pentacle, ce serait quelqu'un de travailleur, généreux, etc. Mais bon, là, vous l'avez à l'envers. Donc, c'est l'inverse de ce que serait le roi. Donc, moi, je vois plutôt quelqu'un qui tire les choses vers son côté et qui est plus dans l'énergie du diable qu'autre chose. Voyez, c'est vraiment ça. En fait, il vient puiser votre énergie, là. Il vient prendre quelque chose que vous avez en connaissance, en vibration, etc. Et là, on a le roi. Par contre, on a le roi de bâton. Donc, on a une personne qui peut être très, très bornée, qui peut même être égoïste. Attention. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Attention, je mets bien sûr dans tous les... Vu que c'est du général, je pense dans tous les sens. Mais il y a besoin de voir clair hein, dans une situation, au niveau d'une union un peu passionnelle. La passion, c'est bien, mais la passion, ça fait mal. Donc, attention à ce niveau-là, parce que du coup... Ça pourrait quand même vous faire du tort et du mal, cette relation. Pour d'autres, si vous êtes sorti de cette problématique et de cette personne, et du coup, ce besoin de tourner la page, je sens que vous pourriez voir quelqu'un de nouveau venir à vous. Quelqu'un qui peut être confiant, avec qui vous parlez beaucoup, qui est plutôt jovial, peut-être voire même sportif. Quelqu'un en tout cas qui n'a pas peur, qui se positionne. On va aller recouvrir ça bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chien, on a l'ami fidèle, on a le lien. On a un lien avec cette personne. Avec cette personne qui... on va la mettre comme ça. Avec cette personne qui... Il y a un lien. Il y a un lien avec cette personne. Mais attention, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi, j'entends parler, si vous êtes dans des triangulaires, une personne avec qui vous êtes lié, mais j'ai l'impression qu'il pourrait ne plus y avoir de passion, d'où la séparation. Et donc, il peut y avoir une autre relation avec qui vous vivez une passion, mais attention, cette passion, il faut voir si elle n'est pas non plus destructrice. Donc, je vous mets des guillemets, parce que ça reste du général, hein, bien sûr. Je sens que pour certains, il y a plus qu'une amitié. Hein. Il y a plus qu'une amitié, il y a une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attire. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui, malgré tout, n'est pas clair. Vous devez voir quelque chose pour ne pas être dans la manipulation. Par contre, les taureaux, il y a une tendance à être dans la manipulation. Vous ou l'autre, mais il y a quelqu'un qui subit, qui doit couper. Alors, si ce n'est pas dans votre relation même et que tout va bien dans la relation et que vous êtes hyper bien, heureux et il n'y a pas de problème, ça vous dit que c'est autour de vous qu'il y a des séparations et c'est autour de vous que quelque chose peut-être essaye de vous séparer ou peut-être ça peut être affectif par rapport à des personnes que vous aimez. Ça peut être familial et amical aussi, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de discussions, on vous parle de quelqu'un qui vous écrit, qui vous parle, qui essaye d'en savoir plus sur vous, qui essaye... Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit aussi de fermer le livre, là, pour certains. En dos, on a la montagne, donc vous voyez, il y a vraiment des obstacles dans cette relation et c'est compliqué pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous pousse un peu dans vos retranchements.
ou c'est vous qui poussez cette personne dans ses retranchements. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous n'avez pas envie de... Ça vous prend de l'énergie, sachez-le, hein, par contre. Alors, pour les couples, allez, on parle d'opportunités qui seraient super chouettes. Mais vous allez peut-être devoir prendre des... Ah, il y a de la jalousie dans le couple. D'accord. Alors, c'est peut-être cette habitude qu'il va falloir perdre. La jalousie, retrouver de la confiance parce que peut-être cette personne aussi vous a poussé à douter de lui ou d'elle, hein, bien sûr. Mais je sens, voilà, il y a quelque chose à maîtriser dans vos émotions, dans une passion, dans un enflammement. Mais c'est très joli. Mais il y a beaucoup de liens, il peut y avoir beaucoup d'amour, un couple solide, beaucoup de passion aussi. Mais voilà, un petit peu de jalousie à maîtriser, à faire attention, qui pourrait quand même mettre un peu la zizanie dans le couple. Même si ce couple est fort, ça peut créer une problématique dans le couple. Alors, pour les célibataires, on a l'effondrement. Pour les célibataires, ben oui, parce que quelque part, là, j'ai l'impression que ça fait une relation dans laquelle vous aviez beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Et là, vous êtes en train de tomber de 90 étages. Parce que ben, du coup, vous vous rendez compte peut-être de... Si vous êtes célibataire ou en pleine séparation, là, il y a des choses à faire, à acter par rapport à une maison. Ça peut être un ex aussi, hein, je vous disais. Et on a la purification. Il y a un besoin d'arrêter d'être manipulé, de se libérer d'une manipulation, de se libérer d'une relation qui était toxique, hein, vraiment pour le coup, et dans laquelle vous avez des dispositions à prendre par rapport à une maison, à un lien que vous avez, par rapport à... qui vous rattache à cette personne ou à cette relation. Vous avez un besoin de purifier vos énergies, sachez-le. Et ça vous ferait beaucoup de bien. Je pense que ça vous aiderait un petit peu à vous recentrer. Et pour les triangulaires, si vous êtes en triangulaire, alors là, pour l'instant, vous êtes dans la tempérance, vous êtes dans la patience, vous patientez, mais en même temps, il ne se passe pas grand-chose avec la tempérance. En dos, on a la révélation de la stabilisation, mais en même temps, vous êtes dans le sacrifice. Vous devez voir si c'est quelque chose qui vous comble ou pas. Pour certains, vous êtes clairement face à des manipulateurs, hein, ou une manipulatrice. Hein. On a le voyage. Il y a besoin de prendre la distance. Il y a quelqu'un qui cherche à... Je ne sais pas pourquoi j'entends ça depuis tout à l'heure. On me parle de quelqu'un qui aurait une tendance à être assez égoïste, qui ramène les choses pour lui ou pour elle, qui recentre que en ce qui concerne. Et vous, vous sacrifiez beaucoup dans cette attente de relation ou parce que vous devez faire un choix. Et là, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Vous n'aurez pas le choix que de passer à autre chose. Soit dans la relation avec qui vous êtes engagé, soit avec la nouvelle relation ou la maîtresse ou l'homme que vous avez, l'amant. Voilà, c'est ça que je cherchais, le mot amant. Donc, il y a un besoin, voilà, de... Moi, je vous dirais, faites attention, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait quand même vous dire certaines choses, mais... Je sais pas, moi quelque chose me dit clairement que faut prendre les choses avec plus de recul, plus de hauteur. Pour certains, il y a besoin de s'éloigner d'une personne qui est inapte à vous aimer correctement, qui ne prend pas de choix, qui ne vous rend pas très heureux et on est face à l'impasse. Dans la triangulaire, je vous dirais attention, juste parce que voilà, je vois quand même que quelqu'un peut avoir un comportement assez égoïste. Donc, si vous attendez que cette personne fasse un choix, j'ai l'impression que, mais pas qu'il vous endort un peu, mais qu'il vous dit, attends, ça va venir, sois patient, je règle les choses, et puis bon, blablabli, blablabla, et en attendant, on en est où? On est toujours au même point, donc bon. Donc, voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas non plus, c'est avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. On passe à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux, que vous vous portez bien. On regarde votre sentimental. Donc, pour ce mois de février, alors... On mélange bien. On regarde les énergies qui vont vous accompagner. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux pour votre sentimental du mois de février?
Quelle énergie va vous accompagner? Alors, on en a deux. On a l'échec, mais on a la clairvoyance. On vous dit de voir clairement quelque chose avant d'être dans l'échec ou d'avoir la sensation d'échec. Je sens qu'il y a juste des contretemps pour certains. Il y a quelque chose que vous devez voir clair dans une relation ou par rapport à un constat de vie. Je sens qu'il y a un besoin de prendre le temps, en tout cas de travailler sur ce qui peut-être vous bloque ou vous empêche de vous sentir pleinement heureux et épanoui. On regarde le défi pour vous, les Gémeaux. Tout ça. Non, on en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est mieux. La sexualité. Alors, est-ce que c'est une problématique chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mène à l'échec? Parce que peut-être que vous le placez au centre d'une relation. Ou est-ce que c'est la problématique de la relation? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du partage, au niveau de l'intime, qui est quand même à prendre en compte sur ce mois de février pour vous. En dos, vous êtes dans le rêve. Vous avez un besoin soit de vivre une relation fusionnelle, passionnelle, quelque chose qui réveille quelque chose en vous, et de retrouver une certaine complicité aussi, peut-être dans une relation. Pour d'autres, c'est une problématique parce que il y a des choses à travailler là-dessus ou parce que vous placez la sexualité en priorité dans une relation. Donc en fait, clairement, ça vous emmène aussi à l'échec parce que peut-être qu'on voit que ça de vous et non pas autre chose aussi. Allez, on va les creuser. Attendez, ça je le mets là-bas parce que sinon tu vas avoir trop de cartes d'un côté. Allez, c'est parti, on va regarder. En tout cas, vous avez aussi, j'entends les Gémeaux, un besoin. Vous voyez, j'ai du mal à... Donc, j'ai toujours la voix qui s'enroue, mais là, je sens que ça me fait un pincement qui est différent. Et j'ai l'impression que vous avez soit des choses que vous gardez, et donc, du coup, il y a des discussions qui vous raclent un peu la gorge comme ça, dans lesquelles vous avez peut-être un besoin de dire certaines choses, etc., mais vous n'osez pas. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu coincé au niveau chakra-gorge. Alors moi, c'est sûr qu'il n'y a pas quelque chose de coincé, mais en tout cas, j'ai une problématique, donc c'est normal que j'ai la voix qui fait toujours comme ça. Mais pour vous, voilà, je sens qu'il y a un besoin de prendre conscience de certaines choses. On a la découverte sur ce mois de février. Là, j'en ai trop. Allez, d'accord, on en a deux. On a la maladie et on a l'entreprise. Bon, il y a vraiment un travail sur vous à effectuer, où il y a quelque chose en tout cas dans laquelle vous avez un besoin de travailler. Quelque chose qui vous travaille l'esprit, vous essayez de comprendre et de voir clair par rapport à une situation dans laquelle ça vous fait un peu du tort et du mal. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être la maladie qui crée une problématique intime? Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un rapport au corps aussi que vous avez, les Gémeaux? Il y a un travail en tout cas, il y a du renouveau qui arrive. Il y a quelque chose par rapport au corps, à la beauté, à l'image qu'on renvoie. Vous aimez, alors vous êtes des amoureux de l'amour souvent les Gémeaux. Vous aimez ce sentiment d'amour, de les papillons dans le ventre. Vous aimez tout ce côté un peu passionné aussi comme ça, un petit peu. Donc vous avez envie pour certains de le vivre ou de le revivre. Et ça c'est quelque chose qui est possible bien sûr pour certains de faire une découverte d'une nouvelle relation. Mais voilà, si quand même ça se place comme une problématique, c'est que c'est pas anodin qu'elle, celle-ci se place ici. Hein. Donc je sens qu'il y a quelque chose à dépasser. Il y a quelque chose qui soit est bloqué sur votre plan physique, votre énergie physique, soit c'est plus profond que ça. C'est sur votre cœur, l'estime de soi, l'estime de vous-même, etc. Alors, on va aller creuser tout ça, c'est hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Alors, les Gémeaux. En tout cas, vous n'avez plus envie non plus, vous prenez conscience aussi, vous n'avez plus envie de vous rendre malade, hein, par contre, pour les autres, pour une relation. Il se passe des choses quand même. Alors, elle ne veut pas rentrer celle-là, donc on la prend. Allez, on a le 5 de Pentacle. On vous parle d'un changement, vous attendez un changement, vous êtes sur l'attente d'un changement. Il y a des changements qui sont prévus dans votre matériel et financier aussi. On a le 4 de bâton. Donc on voit, j'entends l'union fait la force. Il y a un besoin d'avoir l'appui par rapport à du stress, par rapport à la famille. Il y a de l'appui autour de vous.
par rapport à des personnes qui vous entourent. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux ici. Alors, on a quoi? On a le 5, le 4, mais j'y tiens mon 5, moi. Pas du tout en plus, hein. Allez, on a le 4 de pentacle, donc, et on a le 3 d'épée. Mais on les avait à l'envers. Je sens qu'il y a une cassure, il y a une coupure, il y a quelque chose que vous stoppez, que vous arrêtez et qui vous fait un peu du mal et qui vous fait un peu mettre vos émotions dans tous les sens. Je sens qu'il y a une situation dans laquelle vous aviez envie d'aller beaucoup plus loin, surtout les célibataires, et je sens qu'il y aurait une forme de désillusion dans la relation, où cette personne est intéressée que sur un seul plan par rapport à vous et non pas le reste. Il y a ce besoin de pouvoir se sentir, vous allez de toute façon être entouré, quoi qu'il en soit, si vous sortez d'une déception amoureuse, de quelque chose qui vous a vachement peiné, dans lequel vous étiez vachement engagé. Voyez encore, ça y est, voyez le 5, je l'ai eu. Je l'ai eu, mon 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, on a un besoin, voilà, de... C'est comme si vous n'acceptez pas une défaite, vous n'acceptez pas un échec. Il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué comme ça. Ça peut être sentimental, mais ça peut être amical ou familial également. Quelque chose qui s'est cassé, qui est en coupure. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à... Vous avez du mal à bien le vivre en tous les cas. On va regarder au niveau du le normand encore. Pour vous les Gémeaux sur ce mois de février. Allez, on vous parle de cœur. Ben oui, en même temps. Vous avez un besoin de plus. J'entends aussi qu'il y a des changements, peut-être un déménagement, des changements comme ça aussi, peut-être à la personne de votre cœur, pour vous engager plus. Vous attendez plus d'investissement de la part d'une personne autour de vous. Donc vous y croyez en fait dans cette relation. Vous avez envie que cette personne soit plus entière ou c'est elle qui croit ça, ou enfin la personne, hein, homme, femme. Je ne cite pas, c'est juste la personne. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui doit aussi voir clair dans une situation. Ouais, on a une petite montagne. On voit qu'il y a une difficulté, mais vous êtes entouré, quoi qu'il en soit, les Gémeaux, pour vous aider à vous remonter d'un petit mal-être ou d'une situation qui est un petit peu difficile. Vous avez peut-être l'impression d'être en décalage aussi. Alors, qu'est-ce que j'entends pour vous encore, les Gémeaux? Alors, j'en ai trop. Je vais prendre les deux qui se sont placés là-bas. Alors, on va y arriver. En dos, on a quoi? La lettre, le courrier, la communication. Et là, on a les jardins avec le trèfle. On vous parle d'une situation qui, si vous vous ouvrez à une relation, à une nouvelle relation, vous avez besoin de réparer ce qui vous a vraiment blessé. Par contre, sachez-le. Je vois une communication, une lettre, qui va être importante. Pour certains, c'est dans des projets que vous allez concrétiser, et pour d'autres, c'est dans la communication d'un engagement avec cette personne-là. Vous avez besoin que cette personne prenne des décisions et prenne des directives. Si ce n'est pas le cas, ça vous fait du mal, vous allez vous lasser, vous ne resterez pas. Il peut y avoir une cassure, une coupure aussi autour de vous, hein, comme je vous ai dit. Ça peut être pas que dans la relation amoureuse. Si la relation va bien, tant mieux. Donc il y a de l'appui, mais il y a des projets, des nouvelles choses. Attention, gardez les informations pour vous parce que certaines personnes pourraient essayer de vous nuire dans le couple. Là, il y a un besoin par contre de réparer quelque chose dans votre cœur qui vous a fait de la peine, dans lequel vous aviez peut-être plus d'attentes. Vous aurez les bonnes personnes dans tous les cas pour vous aider à cela. On regarde au niveau des énergies ce que je vois pour les couples. Allez, les couples, on vous parle de vigilance, d'être prudent. Vous voyez, quand je vous disais attention à ce que vous dites, parce que certaines personnes pourraient se retourner ou en tout cas tirer les choses de son côté. C'est complètement ça. Il y a une personne qui n'est pas honnête, qui est hypocrite autour de vous, j'entends ça. Il y a de l'hypocrisie autour de vous. Il y a quelqu'un en tout cas qui ne dit pas tout et qui dit ce qui l'arrange. Vous allez avoir les clés pour l'acceptation. Alors pour certains, c'est un projet que vous avez envie de faire. Vous êtes en plein dedans et on vous dit de garder et ne rien dire jusqu'à l'acceptation finale parce que certaines personnes seraient clairement jaloux ou jalouses de vous dans la relation. Essayerait de vous mettre des bâtons dans les roues, sachez-le. Et là, il peut vraiment y avoir quelque chose qui se débloque sur le plan immobilier avec une personne. Donc un investissement ensemble, acheter ensemble, vivre ensemble, quelque chose qui vous ramène à du mobilier qui serait une très très bonne chose.
Mais voilà, j'ai l'impression que ces révélations, vous allez savoir certaines choses. Vous allez entendre quelque chose. Ça peut être des gens aussi qui parlent sur vous, hein, dans le couple, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires? Les Gémeaux. On parle de dispute. Ouais, bon, là, il y a une rupture. Pour moi, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui vous a peiné le cœur. Soit vous êtes en pleine dent, soit justement, vous êtes enfin en train de vous en délivrer. Mais ça prend du temps. Il y a un travail, en tout cas, qui est là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, vous allez trouver le bonheur. On me dit de prendre ces deux. Oh, très, très bien. Ouais, mais je vois qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Hein. Pour certains, c'est une séparation qui est difficile, hein, les Gémeaux. Vous avez un besoin de guérir par rapport à ça. Il y avait beaucoup de tension, beaucoup de toxicité. Vous retrouvez une certaine joie de vivre, quelque chose qui vous ramène du baume au cœur. Ça vous fait du bien, ça vous permet de remonter d'une difficulté, en fait. Et pour les triangulaires, allez, on vous parle de la carte de la purification, de la tempérance et enfin de l'enfant. Ok, en dos, on a l'accomplissement pour vous en général. Donc du coup, je vois au niveau d'une triangulaire que vous attendez patiemment quelque chose qui se débloque. Vous pourriez apprendre que cette personne, comment dire ça ? Pourrait évoluer de son côté sans vous. C'est-à-dire que vous apprenez que sa femme est enceinte ou qu'elle est enceinte de son mari. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait venir entraver cette nouvelle relation. C'est quelque chose, si vous êtes dans l'attente de cette relation, vous êtes en triangulaire et vous faites partie de la seconde personne, il y a clairement une situation dans laquelle ça vous fait vachement de mal. Vous avez beaucoup d'attentes et vous avez beaucoup d'espoir, mais attention parce que vous souffrez aussi beaucoup et vous investissez énormément d'attentes dans la relation. Donc on vous dit, ne vous fermez pas à de nouvelles rencontres aussi, ne restez pas exclusif dans cette relation, dans cette attente, parce que ça pourrait vous faire souffrir, hein, clairement. Pour d'autres, si c'est vous qui êtes dans cette triangulaire-là, donc vous avez deux personnes dans votre vie, je vois qu'il va falloir prendre des décisions. Ça vous fait mal au cœur, vous n'avez pas forcément envie, mais là, il y a cette personne-là, cette nouvelle personne qui vient complètement vous catapulter, et je sens que voilà, vous êtes un petit peu décontenancé de cette relation qui est hyper fusionnelle. Et en plus, si dans votre relation intime avec la personne avec qui vous êtes engagé, il y a des problèmes par rapport à ça, j'ai l'impression que l'autre, c'est l'inverse. Donc du coup, ça vous chamboule encore plus, quoi. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça fait très plaisir, ça m'aide beaucoup, vraiment, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de séance privée, vous retrouvez tout sous la vidéo, le lien, etc. Donc c'est pareil, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, on passe à vous les cancers, on y va. Sur ce mois sentimental de février, quelle est l'énergie pour vous les cancers? Alors, on vous parle d'ouverture, de porte qui s'ouvre ou de vous ouvrir, vous en tout cas au niveau émotionnel. On parle d'une relation même qui pourrait être destinée ou en tout cas une personne avec qui il pourrait y avoir beaucoup de possibilités. Je vois qu'il est question aussi pour vous d'un dépassement de soi, j'entends parler de ça, où il y a un besoin d'apaiser quelque chose au niveau émotionnel et de peut-être de projets, une envie de se laisser porter par des projets, etc. Pour vous. Ok, alors au niveau de votre défi, ok, il y a besoin de stopper quelque chose qui vous travaille. Alors est-ce que c'est le boulot? Parce que bien sûr, ça peut interférer dans votre vie personnelle. Sentimental. Donc est-ce qu'il y a un besoin pour l'instant de couper quelque chose au niveau professionnel? En tous les cas, il y a un besoin de... Il y a quelque chose qui vous travaille l'esprit, soit c'est le boulot, soit c'est autre chose, c'est des préoccupations. Et on voit que du coup, vous êtes en train de pouvoir justement vous débloquer d'une situation, vous avez besoin de sortir de quelque chose. Mais ça vous remue beaucoup. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous remue. En dos, on a la fécondité. Ça peut toucher aussi des enfants autour de vous, une jeune fille en particulier.
mais ça vous parle de quelque chose qui est naissant, qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être lié à une vie de famille, à quelque chose que vous avez envie de construire et d'avancer, etc. Ça peut être aussi les projets que vous entreprenez aussi dans le professionnel qui mèneraient peut-être une discorde au niveau sentimental ou parce que vous voulez tellement réussir au niveau professionnel que du coup, ça peut peut-être vous éloigner de votre vie de famille, de vos enfants, etc. Alors, on va aller creuser tout ça. C'est hyper intéressant. Alors, pour vous, le général, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cancers. Sur votre général, les cancers. Alors, les cancers. Hein. Ça vous parle d'échec, hein, mais il va falloir faire un changement. Il y a quelque chose qui, voilà, qui stoppe, qui est bloqué, dans lequel... Vous voyez encore les enfants qui reviennent, la natalité, le renouveau. Ok. Il y a besoin de stopper quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus, et ça vous bouleverse. Ça vous fait quelque chose de passer par ça. Et on vous parle d'un changement qui est inévitable. Soit c'est parce que je vous dis, il y a quelque chose au niveau professionnel où il y a des changements, donc du coup, il y a besoin de recentrer un petit peu vos énergies. Soit c'est parce que il y a des changements personnels qui vont en découler suite à des changements que vous allez entreprendre également. Vous avez un besoin en tous les cas de trouver l'apaisement. C'est vraiment l'énergie de février pour vous, j'entends, c'est l'apaisement. En particulier une femme qui ressort, qui a besoin d'être apaisée, de ne pas rester sur des échecs, de ne pas rester que sur des choses peut-être qui vous minoreraient, qui vous empêcheraient vraiment d'avancer. Je ressens vraiment ce besoin de peut-être de rencontrer une nouvelle personne. Ça vous dit que ça vous est difficile peut-être pour certains de vous ouvrir parce que malgré tout ce que vous avez vécu, ça reste hyper ancré en vous et en tout cas ça vous ça pourrait un petit peu vous bloquer, voire vous déstabiliser un petit peu, d'accord? Mais vous avez envie, vous avez besoin de ce changement. J'entends qu'il est vital pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous lit? On vous dit roi d'épée. On parle de quelqu'un qui est un peu détaché, qui peut être un peu mystérieux, un peu bad boy. En mode homme autour de vous. Quelqu'un qui peut être un petit peu, voire un petit peu autoritaire. Qui a peut-être aussi une manière de faire les choses, de mener la barque pour vous. Il y a quelqu'un en tout cas aussi qui doit se détacher aussi de quelque chose qui ne va pas. Ou dans une situation qui peut-être vous met en situation d'échec, où vous avez peut-être l'impression que cette personne est minée, soucieux ou soucieuse, parce que bon, c'est un homme et ça reste du général, vous le savez, donc l'essentiel c'est que ça vous résonne. Là, je ne m'adresse pas à une personne en particulier, donc forcément. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les cancers? J'ai l'impression que vous ne pouvez pas continuer, j'entends, dans une relation qui oui, voilà, l'hiérophante, vous êtes en train de vous patienter, pour certains, vous mettez dans une bulle, vous ne voulez plus rien entendre, en fait. Hein. Vous pouvez rien, vous ne voulez plus rien entendre, vous êtes dans votre bulle, vous savez que vous devez sortir de cette bulle. Vous voyez, c'est marrant parce que là, on a deux bulles avec la lune et le soleil qui entourent ces deux visages. Et ici, on a aussi ce carré qui vient entourer un petit peu la tête de l'hiérophante. Donc, soit vous ne voulez pas entendre quelque chose, soit vous avez un besoin de changement parce que vous vous sentez enfermé, étriqué dans votre manière d'agir et de penser. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas trop, les cancers. Vous avez un besoin de vous sentir apaisé, en fait. Vous aimez les choses plus rigolos, plus fun, etc. Là, on vous parlerait peut-être d'une nouvelle personne qui pourrait se positionner, quelqu'un qui, par contre, lui, au contraire, cette personne-là, homme ou femme, pourrait avoir vraiment beaucoup de potentiel. C'est quelqu'un qui peut être alors, un tantinet pour certains matérialistes, mais pour d'autres, j'entends vraiment ce besoin de concrétiser des projets, qui a envie d'être peut-être plus généreux, quelqu'un qui a envie peut-être d'être plus investi, qui croit en cette relation, qui est prêt à donner de lui, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a le 5 de coupe. On vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie d'arrêter. Il y a une situation qui est temporaire, d'accord? Donc, on ne vous dit pas que c'est pour toujours, hein, Dieu merci. C'est temporaire, mais il y a quelque chose dans lequel vous êtes un petit peu, pas dépassé, mais dans lequel vous sentez un petit peu attristé ou une situation qui est un peu en conflit à l'intérieur de vous. Ce qui est bien, c'est que vous le mettez à l'envers. Donc, pour moi, vous en sortez. Vous n'êtes pas dans cette situation. Vous l'étiez,
mais là vous avez envie de vous en sortir. Donc ça c'est le côté très positif, c'est que vous le mettez à l'envers, ce qui n'est pas la même chose forcément qu'à l'endroit. Pareil, le 4 d'épée, il y a un besoin d'être rechargé, de penser à vous recharger, il y a un besoin de se recentrer sur ses énergies, de se sentir beaucoup plus en apaisement. C'est comme si vous étiez à bout de souffle pour certains à la fin d'un combat, vous voyez. Donc vous avez donné tout ce que vous avez pu, mais il y a un moment donné où voilà, on n'a plus d'énergie, on n'a plus envie de conflit, on n'a plus envie de se soucier de ce que pensent les autres, on a envie juste de se recentrer en fait, de vous recentrer sur vous. C'est important, voyez, parce que à un moment donné, ça devient compliqué, ça devient lourd à porter, d'attendre ou de toujours, voilà, d'investir les choses sans qu'il y ait forcément un retour aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a les clés qui arrivent avec le bouquin et on a quoi? L'arbre et la discussion. Là, il y a une nouvelle personne, en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage, les cancers qui vous aident et qui pourrait être une énorme force pour vous. Soit vous connaissez cette personne, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un d'un karma familial, soit c'est une nouvelle personne qui est dans votre vie avec qui il se passe un truc de fou. Vous discutez avec cette personne, c'est une personne qui vous chamboule énormément, vous êtes attiré par cette personne, mais j'ai l'impression que voilà, vous n'arrivez pas encore complètement à vous défaire d'une problématique. C'est pour ça qu'on vous parle encore une fois des nuages. Ce qui est bien avec les nuages, c'est qu'il y a une forme de confusion. Alors vous allez me dire, c'est nul. Mais ce qui est bien, c'est que c'est passager. Quand les nuages s'en vont, le soleil arrive toujours. Donc ça, c'est le côté chouette. Vous n'avez plus envie qu'on vous dicte votre vie. Vous n'avez plus envie de subir des choses que vous n'avez plus envie. Vous recherchez l'apaisement, les amis. Donc, pour moi, il y a un besoin aussi peut-être d'écrire. Si vous êtes dans l'écriture, je vois quelqu'un qui écrit ou en tout cas qui a besoin d'exprimer peut-être ses pensées, qui a besoin peut-être de coucher ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. L'écriture peut être une thérapie, bien sûr, pour certains. Mais voilà, vous avez envie que ça change, que ça bouge dans cette relation. Et si cette personne n'est pas prête à s'ouvrir ou prête à s'ouvrir, ben vous allez trancher. En tout cas, ça va vous... Vous n'allez peut-être pas encore le faire sur ce mois de février, mais vous y pensez très très fortement. Et là, on vous le conseille même de prendre le recul nécessaire pour voir réellement les choses. Et c'est la clé de cette porte. C'est la clé de la possibilité de l'ouverture. Surtout dans la relation, si par exemple, il y a des choses qui sont pesantes, vous sentez un peu seul, il y a une personne qui est plus détachée, etc. Vous, ça vous permet aussi de pouvoir... de pouvoir vraiment vous détacher et de pouvoir avancer en fait. On va regarder au niveau des énergies, donc au niveau des couples. Alors, au niveau des couples, on vous parle, vous voyez, encore une fois, d'un petit égarement, un besoin de dire, de parler. Il y a quelque chose qui se révèle, il y a un besoin de revenir sur un... de vous recentrer. Il y a une révélation qui arrive comme une clé sur ce mois de février qui va vous aider à ouvrir des portes ou ouvrir votre cœur. Ou justement, pour certains, c'est prendre la porte aussi. Ça peut être une libération hein, dans tous les cas. Donc voilà, je sens que c'est important pour vous que justement de vous libérer de tout ce qui pourrait tourner autour de cette relation et qui vous empêcherait d'avancer. Pour les célibataires, on vous parle d'un changement à côté du changement. Donc, il y a un changement, c'est sur les célibataires, sur ce mois de février, dans lequel il est important d'y aller. Il y a vraiment beaucoup de potentiel dans une relation, encore une fois. Ça vous dit de vous sortir de votre cocon, hein. Il y a besoin de sortir de son cocon. Et qu'est-ce qu'on a? On a encore ce travail. Donc, il y a peut-être une personne avec qui vous travaillez, quelqu'un du passé encore qui a besoin aussi... Je vous dis, pour certains, il y a peut-être une douleur encore assez vive au niveau d'une relation qui s'est mal passée, qui vous a peut-être fortement déçu, quelque chose comme ça. Et on vous dit, voilà, il y a un travail aussi sur vous à faire pour pouvoir vous délivrer de cette hiérophante un petit peu. Du côté un petit peu plus renfermé. Mais l'hiérophante, ce n'est pas non plus l'ermite, hein, mais il y a besoin de comprendre, de faire confiance à ce qui vient à soi, d'un certain lâcher-prise dans votre vie. Et là, pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre qui pourrait tout changer. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez au niveau du travail. Au niveau des triangulaires, on a la communication, la désillusion. D'accord, bon. Pour les triangulaires, je sens que vous êtes dans l'attente hein, de quelque chose vis-à-vis d'une personne. Et en dos, on parle d'une période de chance. Ok.
Vous avez besoin de sortir d'une situation et de retrouver de la chance dans votre vie suite à une impasse. Soit il y a une relation qui vous a vachement déstabilisé et qui est compliquée et donc du coup ça vous coûte un petit peu de vous détacher de certaines choses, mais vous allez dans une ouverture parce que justement vous prenez conscience de ce qui vous bloque dans une relation ou avec une personne, etc. Cette personne-là peut être un tantinet, peut-être excessive, peut-être vous vous sentez un petit peu seul dans cette relation, ou en tout cas vous avez un besoin de partage et d'être entendu et écouter les cancers pour vous sentir peut-être pleinement heureux et en tout cas plus compris et épanoui. Et je vois qu'en tous les cas, il y a ce besoin de sentir plus heureux. Il y a une communication avec une personne qui est peut-être mariée. Pour l'instant, voilà, vous ne vous faites pas d'illusions sur cette relation, vous laissez porter, vous prenez ce que vous avez à prendre, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous positionner vis-à-vis de cette personne. Il pourrait y avoir quand même malgré tout des choses qui vous déçoivent, mais voilà, vous êtes toujours dans l'optique d'attendre que les choses se bougent, que vous attendez peut-être que cette personne règle certaines choses au niveau administratif pour justement avancer dans votre relation ensemble, etc. Donc vous êtes un peu dans l'attente ici. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à liker la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à très très vite. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien, les lions, que vous vous portez bien. On y va, on regarde votre énergie pour vous. Allez, on y va direct. Alors, vous n'avez pas de temps, justement, à perdre, les lions. On parle de temps. Alors, le temps, bien sûr, c'est de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir évoluer dans une relation au niveau sentimental et dans vos projets. Soit c'est par rapport à une situation où vous avez encore besoin de prendre du temps pour faire évoluer les choses. Et pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a aussi le temps qui s'accélère. Donc, on va aller regarder pourquoi on parle de temps, mais visiblement, c'est une histoire de temps. Il y a quelque chose qui va se régler dans le temps. On parle de compromis en défi. On parle de signature. Donc, c'est quelque chose qui sera important. Il y a besoin de s'engager, de trouver un équilibre, les lions, dans l'engagement ou par rapport à peut-être des projets que vous avez envie de concrétiser. Je vois que vous cherchez à conclure quelque chose, à négocier, voire même pour certains, voire à vous réconcilier. En dos, on a les examens. Donc, on vous parle d'une possibilité de réussite. Ça vous parlerait peut-être un besoin de pouvoir vous permettre, les lions, de pouvoir concrétiser quelque chose sur le papier. Pour certains, c'est des séparations. Pour d'autres, c'est aussi peut-être vous couper quelque chose du passé pour du renouveau dans votre vie. Mais là, il y a un besoin de prendre le temps d'examiner les choses, d'aller au fond des choses sur votre sentimental ou dans vos projets. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. On regarde votre général. Allez, les lions, on y va. Alors, on a étoile de l'homme. Waouh, les lions, de toute façon, vous avez vraiment en ce moment la cote. Franchement, au niveau énergétique, vous avez la cote. Donc, profitez. Parce que là, vraiment, c'est la plus jolie carte du Béline. Donc, beaucoup de possibilités, que de l'amour. Tout ce qui est négatif le sera beaucoup moins. Voyez encore cette histoire de temps. Bon, il y a quelque chose qui prend du temps, qui peut être retardé, des choses qui sont à planifier. Des choses en tous les cas qui vont se décanter, n'ayez pas peur, hein, parce que du coup avec la carte bleue, autant vous dire que vous avez la carte magnifique. L'union, alors est-ce que c'est une élévation dans une relation, la clé de la destinée de cette relation hyper belle, hyper forte et puissante. Pour d'autres, est-ce que c'est de se remonter d'une situation dans laquelle vous avez été peut-être peiné de cette séparation qu'on a vue tout à l'heure. Je sens, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez un besoin de vous sentir... aimer, partager, quelque chose que vous allez concrétiser dans la matière, et ça c'est important. Donc c'est important pour vous de concrétiser les choses. Il peut vraiment y avoir une super nouvelle personne dans votre vie là qui arrive, surtout si ça fait un moment que vous êtes célibataire. Alors les lions, je regarde pour vous sur le sentimental, toujours pour ce mois de février. Alors on a les trois cartes, parfait. On a la tempérance, on a l'étoile en dos et on a le jugement. Et on a la reine d'épée. On parle d'une femme en tous les cas en particulier, mais ça peut aussi vous concerner en tant qu'homme. L'essentiel, c'est que ça vous parle. Donc, on parle d'une situation dans laquelle vous faites preuve de détermination.
On parle d'indépendance, une femme très indépendante en particulier, qui n'aime pas être trop bloquée, qui ne pourrait pas avoir de possibilités, quelqu'un qui est peut-être un peu stressé, tendu aussi. Alors ça peut vous concerner vous, ou quelqu'un autour de vous, bien sûr, avec qui il pourrait y avoir un petit peu des conflits, etc. Vous n'avez plus envie d'être en conflit avec cette personne, ou en tout cas, vous allez essayer peut-être de temporiser justement les choses avec cette personne. Je sens que il y a des choses qui pourraient... J'entends parler de révélation, donc des choses peut-être que vous allez savoir et entendre par rapport à une relation ou à une personne. Il y a un besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de tempérance, un besoin de trouver plus d'apaisement, de calme dans vos énergies. Ce besoin, en tous les cas, de vous sentir beaucoup plus apaisé sur votre sentimental. Il peut y avoir aussi pour certains une attente et on vous dit que vous avez besoin de voir les choses dans le concret. Donc, si vous êtes dans une relation et dans l'attente, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, mais quoi qu'il en soit, vous avez la carte bleue. Donc, si vous avez besoin de voir si cette personne est vraiment engagée, vous allez le voir en fait. Vous allez vous en apercevoir de vous-même, de la vérité. Est-ce que c'était une illusion ou non? Est-ce que c'est de l'espoir qui est mis dans les chaussettes? Ça, vous allez vous en rendre compte sur ce mois, bien sûr, de février. Je vois également que vous avez la possibilité d'une rencontre qui pourrait être importante pour vous. C'est peut-être une personne qui vous est presque destinée, une relation qui pourrait être très intense. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les lions? En couple, ça vous parlerait de concrétisation de projet. Ça vous demande d'être encore un peu patient, mais je sens que les choses vont se décanter. Vous attendez suite à une décision, un jugement ou en tout cas une évolution. Vous voyez, on a la femme, la créativité. La femme qui a besoin de déstresser, d'être plus calme, d'être moins angoissée peut-être au niveau émotionnel. Il y a quelqu'un qui est patient, patiente. Ouais, super, le soleil qui rentre, magnifique. Bon, là, il y a tout qui vous sourit. Alors là, j'en ai trop. Je vais prendre celle-ci. Oh, magnifique. Et en dos, on a quoi? Les nuages. Alors, vous voyez, il y a du stress un petit peu. Ça vous entoure. Il y a un peu de stress. Dans une relation où cette personne est un peu stressée. Mais je sens qu'il y a une personne là qui vous est destinée hein, pour certains. Il y a vraiment la relation destinée qui est là. Quelqu'un qui est dans votre esprit, dans votre tête ou dans votre vie. Et là, vous êtes en train de construire et de consolider quelque chose dans cette relation-là. On a envie d'aller plus loin dans la relation, on a envie d'évoluer dans la relation. En tout cas, vous avez envie de trouver l'apaisement et de trouver l'équilibre sur ce sentimental de ce mois. Donc, c'est plutôt très, très favorable. Il y a beaucoup de possibilités en tous les cas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples? Allez, attention aux excès. On vous parle de renouveau. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie, des choses qui ont bougé. Ça peut être par rapport à un enfant. Ça peut être une situation de quelqu'un par rapport à une vie de famille. Vous voyez, on a l'amitié et on a la rupture. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui vit un conflit, une rupture, quelqu'un qui pourrait être, j'entends peut-être pas envahissant, mais qui pourrait voilà, être autour de vous, qui pourrait peut-être prendre du temps, prendre de l'énergie, qui vous tourne autour. Il peut y avoir aussi de mauvaises influences, attention aux mauvaises influences. Hein, par contre, aux personnes qui sont peut-être pas très bien, quelqu'un qui vous entoure, ça peut être un homme, une femme, hein, ça va être amical ou familial. Alors, quelqu'un qui a besoin de vous. Sur les célibataires, on a besoin de s'ouvrir à l'amour, d'accepter l'amour, d'accepter de les gens qui viennent à vous. Pour certains, vous êtes fermés. On me dit de prendre celle-ci. Ouais, vous êtes pour certains bloqués dans le passé, dans des événements ou dans une relation du passé. Il y a un besoin d'accepter quelque chose pour vous ouvrir justement à de l'amour, à une nouvelle personne dans votre vie. Vous aviez besoin de temps, mais plus le temps passe, plus soit ça vous donne raison finalement que pour l'instant vous n'êtes pas prêt, pas prête. Et ça c'est tout à fait, voilà, s'il faut se laisser le temps, c'est important. Ça fait partie d'une guérison. Pour d'autres, voilà, il y a quelque chose qui a duré et maintenant il est temps aussi de tourner la roue du temps, pas forcément que dans le passé.
Vous espérez aussi peut-être qu'un ex, une ex revienne vers vous. Hein. Par contre, vous avez peut-être encore quelqu'un dans de l'espoir, encore quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, les lions. Pour d'autres, j'entends également qu'il y a un besoin de... comment dire ça? J'entends qu'il y a des douleurs du passé peut-être qui vous empêchent un petit peu peut-être de vous construire aujourd'hui. Alors, et pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on vous parle d'une opportunité d'avenir, mais vous avez besoin d'indépendance, les lions. Vous aimez, vous avez peut-être envie d'avancer dans une relation, mais vous avez besoin de garder votre indépendance. Ça, c'est hyper important. Sinon, ça vous fait que reculer. Vous voyez, j'ai le doute. Je me pose des questions. Vous avez la tête qui taraude, qui tourne, qui tourne. Les horloges, on les a ici, on les a là, on les a là. Hein. Donc, vous voyez que ça trotte dans votre tête. Hein. On a la roue ici aussi qui donne cette illusion d'horloge. Hein. Donc, je sens que vous êtes en train de cogiter, vous mettez en place des choses dans votre tête. Hein, et que si vous êtes dans une triangulaire, vous avez envie peut-être d'avancer, vous êtes OK avec cette situation, ça vous va. Mais voilà, vous avez besoin peut-être chacun chez soi, vous n'avez pas forcément envie de vivre avec cette personne. Vous n'avez pas envie que cette personne, contrairement à ce qu'on pense à chaque fois en triangulaire, parce que pour certains, on attend que ça qui quitte la personne avec qui cette personne de votre cœur est. Pour d'autres, non, en fait. Pour l'instant, ça vous convient et ça vous laisse une marge d'indépendance, en fait, vous voyez. Donc, vous avez aussi envie de voilà d'avancer, mais attention, pas sous toutes les conditions. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Donc, voilà pour vous, les lions. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Sur ce, moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye! On passe à vous les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. Allez, on y va. On regarde quel est votre général sentimental de février, votre énergie. Alors on parle d'accusation les vierges, on parle d'une situation dans laquelle vous sentez un petit peu attaqué, pointé du doigt, voire jugé. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se règle par rapport à des litiges ou des papiers qui seront importants pour vous, dans laquelle vous avez besoin justement de mettre de l'ordre, j'entends, dans votre vie. Au niveau de votre défi sentimental, alors... voyez encore une fois, alors pour certains, vous êtes dans des séparations, ça c'est sûr. Vous avez quelque chose à signer, à acter par rapport à une séparation. Ça peut être aussi par rapport à une personne du passé, c'est-à-dire ça peut être une personne qui vous a fait du tort, du mal, un ex, une ex. Ça peut être dans la relation actuelle dans laquelle vous êtes en pleine rupture. Et vous voyez encore une fois, on a la réunion, les discussions, quelque chose qui a besoin d'être clôturé, d'être de pouvoir vous vraiment vous permettre de couper avec quelque chose qui ne vous correspond plus, dans lequel vous vous sentez un petit peu pointé du doigt. Vous avez peut-être donné aussi, j'entends parler d'énergie par rapport à une personne autour de vous. Vous avez peut-être investi beaucoup dans cette relation et vous seriez peut-être déçu finalement de cette énergie. Donc vous n'avez plus envie d'être jugé, d'être pointé du doigt. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose en fait, les vierges. Mais on vous dit attention parce que certaines accusations pourraient aussi vous séparer d'une personne. Donc, on va regarder. Sur le général, allez, on parle d'un homme en particulier, énergie masculine, qui ressort. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de plaisir, mais une trahison. Alors, est-ce que c'est de partir par rapport à ça? Est-ce que c'est de couper par rapport à une situation qui ne vous correspond pas? Est-ce que vous êtes dans des procédures, des problématiques et des litiges par rapport à une personne? On sent que voilà, vous n'avez plus envie d'être dans quelque chose dans lequel vous vous sentez mal. Vous voyez, encore une fois, on a les conflits. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose par rapport à une relation. Vous êtes dans des conflits, il y a des tensions un petit peu sur ce mois de février. Vous allez avoir, pour moi, un besoin de couper avec ces accusations, d'arrêter d'être pointé du doigt ou au contraire, ne pas vous laisser faire. Parce que des fois, vous êtes dans une relation, souvent les vierges, où vous sacrifiez beaucoup. Donc, peut-être, voilà, il est temps aussi d'arrêter pour certains de se laisser sacrifier ou dans lequel vous avez l'impression de ne pas maîtriser les choses qui vont vous entourer. Vous avez un besoin de retrouver des choses qui vous font plaisir, en tout cas, et de partager des moments doux.
Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? Les vierges. Sur le plan sentimental pour février. Ah, on me dit de prendre les deux. Ok. Allez, vous allez... Bon, d'accord. On voit bien que vous êtes en train de... vous avez un besoin d'arrêter de... Comment dire ça? Vous attendez d'une relation. Vous espérez d'une relation. Il y a ce besoin d'être dans l'abondance dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez envie d'avoir des énergies plus douces, des choses qui vous font du bien. Et peut-être que du coup, ça peut aussi déstabiliser les gens autour de vous parce que du coup, vous recentrez sur vos besoins, en tout cas sur cette envie de pouvoir justement vous permettre de voir plus dans l'abondance par rapport à ça. Je vois quelqu'un qui peut être bon vivant, qui a besoin aussi de profiter, d'être dans les plaisirs, de se laisser porter. Alors après, pour certains, il y aura des jugements et des accusations, mais j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Si ça, ça vous... Ouais, parce que peut-être vous êtes dans une tromperie, ou dans une triangulaire ou quoi, ou, mais j'ai envie de vous dire, bon voilà, la vie, elle est faite pour être vécue, donc, et puis personne n'a apporté de jugement sur personne en réalité, mais bon, c'est un autre sujet. Donc, on a ce besoin de, voilà, on a la tromperie qui revient, quelque chose qui est plutôt une traître malhonnête, une personne qui est mal intentionnée autour de vous, avec qui vous sentez pointé du doigt, jugé. Donc, ça ne vous fait pas plaisir en tous les cas, et vous allez corriger le tir, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? J'en ai trop, je prends la première. On a la reine, de bâton. On a la reine de bâton, donc on vous parle d'une femme qui donne beaucoup pour sa maison, pour son foyer, et qui peut-être du coup se fait trahir. En tout cas, une femme en particulier, parce qu'on a la reine. Après, voilà, c'est du général, donc ça peut même, si ça vous parle en tant qu'homme, si vous donnez beaucoup pour votre couple, pour la relation, etc., on vous dit, en tout cas, cette personne a la sensation d'être... trompé, trahi. Alors, ça peut être une vraie trahison charnelle, mais la tromperie et la trahison, ça peut être parce que cette personne se sent seule, en fait. Se sent seule, est la seule à s'investir ou à faire les choses, qui est toujours confinée à la maison, qui a toujours des choses où elle se sent à devoir faire les choses, un peu par force, en fait. Voyez ? Donc, on a la 7 de bâton, donc on a une envie, en tous les cas, de comment dire ça. Voilà, pour l'instant, cette personne, elle est patiente, mais la patience, elle va pas durer, en fait. C'est une personne aussi qui a envie d'avancer et qui sait qu'elle va avoir des choix à faire. Et donc, du coup, ça va en découler forcément ce 7 à une remise en cause, à une remise en question un petit peu de sa vie par rapport à des conflits qui peuvent être dans votre relation ou autour de la relation. Mais en tout cas, voilà, il y a une espèce de remise en cause un petit peu comme ça, un petit peu dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Vous voyez, on a le cœur. Soit vous êtes dans une triangulaire là pour certains parce que vraiment il y a une possibilité de relation et d'amour avec une personne qui vous donne beaucoup. Il y a beaucoup de... C'est comme si vous avez envie de profiter. Soit vous sortez d'une période où vous êtes resté longtemps en couple et vous avez juste envie de kiffer maintenant votre vie parce que vous êtes sorti d'une problématique de litige. Mais vous avez envie de vous faire plaisir. Vous n'avez plus envie d'être dans les conflits, etc. Le jugement, les problèmes, etc. Alors, on va regarder. Allez, on parle de maison, de foyer, de quelque chose aussi. Peut-être, je vous dis, il y a quelqu'un qui est beaucoup à la maison, qui peut-être ne se fait pas plaisir, qui n'est pas centré sur il ou elle, vous voyez. Il y a un besoin de partager aussi. Peut-être quelqu'un se sent... il y a des reproches parce qu'on vous trouve distant ou voilà, vous êtes passé pour certains à autre chose. Hein. On a la clé. La clé avec la carte des poissons. Ok. Donc, on vous parle d'une situation qui a besoin de bouger. Hein. De toute façon, sur ce mois de février, vous n'allez pas vouloir rester dans cette situation. Donc, vous n'avez pas le choix, et vous savez que c'est votre conflit, de mettre les choses à plat. Pour certains, c'est des séparations, c'est entreprendre des directives pour vous délivrer d'une problématique. Si c'est des litiges, si c'est des papiers à signer, à acter, etc. Pardon, ou à officialiser une relation parce que jusqu'à maintenant vous n'étiez pas chaud ou chaude pour y aller. Attention parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire du pressing en face, hein,
qui a besoin de plus, qui a besoin d'avancer. Et si cette personne n'a pas ça, c'est une personne qui va rentrer dans de la frustration en face de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples ? Alors, pour les couples, on vous parle d'un carrefour qui va être important, d'une décision par rapport à une vie. Alors, ça peut être un déménagement, une concrétisation peut-être dans un foyer, de vivre ensemble, des décisions qui vont tourner aussi, par exemple, autour du professionnel, qui vont découler de l'énergie. Il y a une rencontre qui peut être, pour les couples, il y a vraiment une harmonie, mais il y a des choses qui doivent bouger. Il y a des directives. On attend de vous certaines choses. Et il y a des choses dans lesquelles vous avez besoin de vous investir. Cette personne a besoin que vous investissiez avec lui ou avec elle. Ou c'est vous qui attendez ça de cette personne-là. Il y a des petits reproches à faire. Peut-être c'est juste une histoire de point de vue. Vous n'êtes peut-être pas forcément tout à fait d'accord sur les choses ou dans la manière de diriger les choses. Mais j'ai l'impression que voilà, il pourrait y avoir du constructif à la condition voilà, de se parler sans forcément s'accuser, j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires ? On parle de pas mal de protection pour l'instant et de la réussite avec l'apprentissage. Bon, vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a quelque chose dans lequel vous avez senti que vous avez été dupé, trahi, trompé. Et donc, ça vous a énormément affecté. Pas mal de remises en question. Il y a eu peut-être un repli sur vous-même. Et donc, ça a été peut-être un moment un petit peu difficile pour vous les vierges. Mais je vois qu'il y a une évolution pour vous. Peut-être une future rencontre, une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Mais vous avez un besoin de conclure avec ce qui a été difficile. Comme si aussi, peut-être inconsciemment, vous cherchez une espèce de justice aussi dans peut-être cette trahison ou dans laquelle vous avez été peut-être blessé. Vous avez aussi peut-être envie, pour l'instant, pas encore tout à fait de vous engager. Vous avez besoin de prendre le temps avant de vous engager. Pour les triangulaires, on vous parle de patience, de tempérance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a l'étoile, non pas l'étoile, on a l'enfant et l'amitié. On parlerait d'une relation, on a l'effondrement qui voulait sauter, mais bon, je l'ai retenu. On vous parlerait d'une situation dans laquelle vous avez envie de bouger. Alors ça, c'est vous. Si vous avez deux personnes dans votre vie, je sens que il y a une amitié qui est plus que de l'amitié. Vous sentez qu'il se passe des choses dans votre tête, que vous êtes attiré par une autre personne. Soit ben, vous avez déjà été dans cette problématique, donc du coup vous êtes dedans déjà dans la trahison. Pour d'autres, ben, vous l'avez dans votre tête, mais vous n'assumez pas peut-être quelque chose par rapport à l'entourage, par rapport aux enfants, par rapport à la famille, etc. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous ennuyez cruellement dans une relation, vous êtes peut-être dans l'attente voilà, que ça se débloque parce que vous n'avez plus envie de subir des choses, vous avez envie de trouver une personne avec qui ben, il y a du potentiel, il y a de l'affection, parce que je sens que vous êtes en manque d'affection en fait. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui est dans le manque de tactile et d'affection. Et on vous dit, voilà, vous avez besoin de trouver cette relation, d'aller là-dedans. Vous avez peur des accusations et de cette séparation. Mais si c'est, voilà, si c'est la vie aussi, des fois, on ne souhaite pas forcément, quand on se met avec quelqu'un, c'est pas pour se quitter demain, mais des fois, voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Du moment où on suit voilà, son bonheur tout en respectant le plus possible l'autre, c'est bien. Voyez, vous avez un besoin de débloquer les choses. Je vous ai dit, vous sortez, vous avez besoin de trouver la paix parce qu'il y a une certaine solitude ou une certaine errance dans certaines choses. Mais vous allez avoir les clés pour vous aider à trouver le chemin de la paix. Donc, c'est plutôt très, très joli. Donc, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique si vous avez besoin. Et moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien, les balances. On y va. On regarde ce que je vois. Pour votre général sentimental du mois de février. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie? Allez, c'est la culpabilité. Vous vous sentez peut-être pointé du doigt, jugé, analysé, scruté. Les balances, il y a quelque chose peut-être dans lequel vous avez pas, vous êtes honteux ou vous avez l'impression d'être observé, critiqué, quelque chose comme ça. Donc, il y a une forme de culpabilité.
que vous avez sur vous, qu'on vous met sur vous, dans lequel vous sentez pas forcément à l'aise, j'ai envie de dire. Donc, il peut y avoir des reproches qu'on vous fait par rapport à des personnes. Alors, ça peut être la personne que vous aimez, mais ça peut être vous qui reprochez aussi certaines choses, qui pointez du doigt certaines choses, ou ça peut être des gens autour qui portent un jugement sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre défi? C'est la tranquillité. C'est d'apprendre à être tranquille et de ne pas vous fixer sur les attentes et la culpabilité que les autres ont tendance à vous mettre sur vous. Donc, il y a un besoin de trouver du changement, d'être protégé de toutes les personnes qui pourraient vous trahir. Donc, d'où une trahison ou peut-être d'une personne, voilà, dans laquelle vous n'avez pas confiance clairement dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Alors, pour vous, qu'est-ce que je vois? Alors, sur le général, on parle de la beauté. On vous parle de prendre soin de vous. On est dans la séduction aussi avec la beauté. Et on vous parle de quelqu'un, voilà, qui fait peut-être attention à son image, qui peut-être a besoin aussi de vibrer au niveau du cœur, au niveau des choses importantes. A besoin de trouver du plaisir dans ce qu'il fait, de ce qu'elle fait, dans la relation. Je vois un besoin de communiquer, de dialoguer avec cette personne. Et je vois que c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter beaucoup de plaisir. Je vois des discussions, peut-être quelque chose sur le plan relationnel ou dans lequel vous avez envie peut-être de vous ouvrir à de nouvelles personnes, accepter des invitations, besoin de parler, de discuter. Pour certains, si vous êtes dans des litiges, je vois des réunions, des discussions autour d'une table et des choses à analyser et à étudier. Ok. Je vois qu'il y a un besoin aussi d'apprendre sur vous-même encore, hein, de vous délester de certaines choses que vous n'avez plus besoin de garder sur le cœur. On me dit de vous prendre celle-ci. On a la tour. Il y a quelque chose qui vous met un peu en mode repli. On a la 9 de pentacle et on vous dit de prendre celle-ci. On a la 2 de coupe. On vous parle d'un besoin de trouver sa moitié avec la 2 de coupe. C'est une rencontre qui peut être très 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 forte, la 2 de coupe. Il y a vraiment quelque chose, une relation qui peut être intense avec une personne. Vous êtes à la recherche de cette relation, de la personne avec qui il y a vraiment une connexion d'âme. Vous pourriez être... peut-être vous sortez d'une séparation et il pourrait y avoir une nouvelle personne hein, quand même. Hein. Une nouvelle personne avec qui il peut y avoir du potentiel. Vous discutez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans l'apprentissage. J'entends aussi également les balances. Et je vois que vous avez besoin de discuter un petit peu avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient dans votre vie. On a le 2 de pentacle. Donc on a vraiment cette notion, encore une fois, d'avoir... d'une personne qui pourrait jongler sur plusieurs pensées, plusieurs projets, dans ses émotions. Tantôt, elle est dans la culpabilité, tantôt, elle est dans l'épanouissement, les plaisirs, les choses comme ça. J'ai l'impression que vous avez du mal à trouver l'équilibre sur ce mois, les balances au niveau affectif. Vous avez un besoin de vous laisser porter finalement, parce que ça vous bloque en fait. La tour, on est en repli, on est un peu... un petit peu triste, un petit peu en repli. Vous voyez, encore une fois, ce sentiment de se cacher, de honte. Alors que non, si vous avez besoin... Enfin, voilà, si vous passez à autre chose, vous passez à autre chose, quoi. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur votre sentimental, hein, sur ce mois de février? Il y a les poissons, donc vous ressentez beaucoup d'émotions, vous ressentez beaucoup de choses à l'intérieur de votre cœur. Ça peut être vraiment une relation très très intense. Mais ça, je sens, voilà, soit parce que vous passez à autre chose, soit parce que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Mais pour certains, il y a beaucoup de... Il y a quelque chose que vous ressentez d'hyper fort, hyper puissant, mais vous n'êtes pas serein en fait, vous n'êtes pas tranquille. Vous avez un besoin par contre de mettre quelque chose du passé, d'étudier quelque chose par rapport à votre passé, par rapport à tout ce qui est en lien avec le passé, les personnes du passé, avec qui peut-être vous avez encore des choses dans votre tête ou dans lequel vous n'avez pas encore coupé complètement ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Allez, on les prend. Vous voyez, vous avez besoin de trouver l'harmonie.
Là, il y a une personne là, il peut y avoir une nouvelle rencontre avec qui il peut y avoir vraiment un potentiel incroyable, les balances. Et j'ai l'impression que vous n'assumez pas quelque chose. Vous avez du mal à assumer quelque chose. Et on vous dit que vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à vous sentir pointé du doigt. Si vous avez besoin d'avancer, vous devez avancer. Si c'est d'aller dans une construction, c'est comme si peut-être vous avez peur aussi d'ouvrir votre cœur. Pardon, par rapport à une relation du passé, par rapport à quelque chose qui vous aurait fait du tort, du mal, pardon, qui vous a peut-être stressé, en tout cas qui vous a fait de la peine en tous les cas. Et là, vous pourriez avoir la possibilité d'une magnifique relation. Donc soit c'est quelque chose qui est autour de vous qui vous peine, et vous, c'est votre couple. Il y a beaucoup de force et d'amour dans la relation, surtout si en plus c'est une relation qui date depuis un moment. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette relation et j'ai l'impression que c'est peut-être les autres qui sont le problème. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne que vous pouvez faire la rencontre qui peut vraiment aboutir à quelque chose de magnifique au niveau relationnel. Et si vous êtes dans une triangulaire aussi, ben du coup, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas à vous sentir coupable parce que ben, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie et que c'est comme ça en fait, vous voyez. Vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un d'autre et voilà, c'est comme ça fait partie de la vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les couples? Non, on me dit pour les célibataires. Alors, j'écoute. Allez, ligne de célibataire. Qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires, les balances? On parle d'un choix à faire, d'une direction à prendre, d'obstacles que vous avez en face de vous. Et on vous dit quoi? Et d'une solitude. Bon, pour l'instant... Voilà, il y a des petites choses qui sont à travailler, qui vous bloquent, des choses que vous n'assumez pas. Vous avez peut-être l'impression que, voilà, il y a peut-être une déception, une désillusion, quelque chose qui vient un petit peu comme ça vous impacter sur ce mois de février. Donc on vous conseille de travailler là-dessus. J'entends parler pour les triangulaires. Pour les triangulaires. Ah, c'est marrant, ça me l'a fait à l'envers. Ok. Parce que pour les autres, je n'ai pas fait forcément dans ce sens. Mais comme vous savez, j'écoute toujours, enfin pour ceux qui me découvrent, j'écoute toujours ma médiumnité en premier. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? La révélation de l'ennemi. Waouh, ok. Bon, ça va bouger les amis, là. Les triangulaires, ça va bouger. Là, il y a quelqu'un qui pourrait décider d'officialiser cette relation avec vous, qui va engager la fin d'une relation. Donc, pour moi, je vois la fin d'une relation. Qui pour moi pourrait venir vers vous. Clairement. Donc il y a peut-être une culpabilité parce que vous êtes la personne pour qui cette personne quitte tout pour vous. Donc j'ai l'impression que voilà, vous avez du mal à assumer, mais en même temps, voilà, si la réalité est là et que cette relation est super forte, elle est super forte en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que cette personne pourrait. Voilà, vous révélez ce qu'il ressent, c'est cette envie de vivre ensemble, enfin de concrétiser cette relation, etc. Donc c'est bien si vous êtes dans cette attente-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les couples du coup? Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Magnifique. Pour certains, c'est vous poser des questions par rapport à un enfant, à un autre enfant, faire des enfants. Vous devez arrêter de vous bloquer dans un échec, hein, par contre, hein, pour votre général. Pour les couples, il y a des réflexions que vous faites par rapport à un enfant, par rapport à une projection vis-à-vis d'un enfant, un besoin aussi peut-être de concrétiser certaines envies, certains besoins. Est-ce que vous avez encore envie d'avoir des enfants? Ça peut être aussi, ou de faire votre premier enfant. J'ai l'impression qu'il y a des discussions par rapport à ça. Pour d'autres, il y a un engagement dans lequel vous avez envie de concrétiser de nouveaux projets. J'entends parler d'un voyage aussi pour certains qui sera important, qui vous fera super plaisir, qui vous permettra aussi peut-être de prendre le temps pour le couple et qui vous rapportera un petit peu de chaleur dans la relation. Et c'est quelque chose qui serait important pour vous sur ce mois de février. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. À vous les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. On y va, on regarde les énergies pour vous. Sentimentale du mois de février.
Alors, on vous parle d'énergie féminine, on vous parle de femme, on vous parle, même si vous êtes un homme, de sensibilité, de création, d'instinct, de quelque chose comment dire ça? Oui, instinctif, clairement, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ça va être une femme aussi qui vous perturbe autour de vous. Alors, quel est votre défi? Votre défi, c'est les accusations. Sur ce sentimental de février, c'est de pointer du doigt ce qui doit être pointé, c'est de voir ce qui doit être vu, de ne pas juger ou de ne pas être jugé, d'être peut-être dans une démarche dans laquelle il y a un besoin de peut-être justifier certaines choses, et donc du coup pour l'instant vous n'avez pas envie forcément d'être attaqué, jugé, pointé du doigt, etc. En dos, on a la santé. On vous parle d'une énergie, d'un besoin de retrouver de la force vitale au niveau de votre bien-être, de votre santé mentale, de votre santé tout court. J'ai l'impression qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous quand même, hein, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous prendre un peu la tête, mais pas forcément sur un plan négatif. D'accord? On va aller voir pourquoi du coup. Ça vous remue comme ça. Je sens que ça vous remue un petit peu votre sentimental. Alors, on y va. On y va. Pour vous, les scorpions, sur votre général du mois de février, sur le sentimental. Vous voyez la maladie qui revient. On avait la santé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a des petites choses que vous devez faire, hein, ou que quelqu'un va faire. Et ça, voilà, ça vous taraude l'esprit. Il peut y avoir une relation aussi qui vous travaille comme ça. Et vous savez que vous devez lâcher quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose ou de lâcher prise. Il y a une forme de lâcher prise dans lequel, dans ce qui vous entoure. Vous voyez, vous êtes un peu coincé, bloqué, ça vous met mal. Vous savez que vous allez devoir prendre une décision dans laquelle vous avez un besoin de sortir. Pour certains, ça peut être quelque chose de mental, ça peut être, par exemple, ça peut être... Alors pour certains, ça peut être une forme de dépression, de burn-out aussi, dans laquelle vous avez besoin de sortir, de ne plus être pointé, accusé, enfin voilà, où vous n'avez plus envie voilà, de justifier quoi que ce soit, parce que vous vous sentez un petit peu étriqué et bloqué. Vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a un besoin de faire certains changements et qu'il y a certains changements qui vont arriver pour vous. C'est inévitable, c'est ce que j'entends. Ok, alors on va aller creuser un petit peu plus loin les scorpions. J'ai l'impression aussi qu'il y a une émancipation aussi pour vous, hein, par rapport au travail ou par rapport à cette relation. Il y a une relation qui est intense, j'entends. Allez, on a la 6 de bâton. On vous parle, mais à l'envers. Donc on vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas vraiment bien et pas totalement satisfait. Vous regardez un chemin parcouru ou le chemin qu'il y a à parcourir et vous êtes un peu indécis par rapport à une évolution, par rapport à un chemin de relation. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle du 10, 10 d'épée. Vous savez, vous allez devoir lâcher quelque chose, hein, pour moi, dans lequel vous n'avez plus envie, ou par rapport à la santé aussi, bien sûr. Alors, bien sûr, je resterai, voilà, je dis juste ça, rien de grave, hein, vous affolez pas. Je rentrerai pas dans des trucs de fou au niveau de la santé, en particulier sur la chaîne en plus, mais sur des vidéos comme ça. Mais je sens, voilà, il y a quelque chose qui vous... Il y a une perte qui vous a fait peut-être souffrir. Il y a peut-être quelque chose aussi peut-être à travailler au niveau énergétique par rapport à une perte qui vous a fait souffrir, à une relation peut-être qui a été difficile, qui s'est arrêtée. Ou pour certains, vous avez des décisions à prendre et à assumer pour pouvoir vous en libérer. Hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste dans votre vie. Et oui, ça ne m'étonne pas. On a le 3 de bâton à l'envers. Donc, on vous parle d'une situation où vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin de prendre des décisions, des directives. Vous avez besoin que les choses progressent. Ça ne peut pas progresser si vous restez toujours dans quelque chose qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. C'est comme si vous étiez un petit peu retenu, comme un fil tendu, comme ça. J'ai l'impression que, comme un élastique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le magicien. Ouais, il peut y avoir quand même une relation hyper puissante. Hein. Une personne avec qui vous êtes relié.
Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a même besoin de régler certaines choses. Il y a besoin de régler certaines choses dans cette relation. Soit par rapport à vous, soit par rapport à la santé, soit par rapport à un état d'esprit, soit par rapport à des attentes que vous avez, mais le magicien, il prend les choses en main. Il y a le signe de l'infini, on est sur l'année du 8, année 2024. Donc il y a des choses qui vont se décanter, les amis, hein, sur cette année. Donc vous prenez les choses en main. Pour certains, il y a un besoin de peut-être de nettoyer des choses au niveau énergétique ou quoi. Il y a peut-être un besoin, voilà, de laisser partir quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Mais voilà, on voit qu'il y a une perte, il y a quelque chose qui est à faire, ou en tout cas, ou que vous avez vécu, et il va falloir faire une croix dessus. Vous lâchez prise aussi, hein, par rapport à peut-être des accusations, par rapport à une personne qui vous a fait beaucoup de tort et beaucoup de mal. Et vous n'avez plus envie de vous en rendre malade, en tout cas, vous couperez, si c'est ça. Allez, la chance vient vers vous, les énergies de la lune, donc vous gardez beaucoup les choses sur vous, en vous. Et on a le renard. Ok, bon, le renard, ça peut être une personne qui est fausse, hein, enfin, qui est fausse. Le renard, c'est quelqu'un d'intelligent. Il est futé, il est rusé, voilà. Mais le renard aussi, il a un instinct hyper développé. Mais le renard aussi, ça, il peut être sournois. Donc, il faut faire attention malgré tout au renard. Donc, on vous dit de faire peut-être attention légèrement à vos arrières. Ou en tout cas, voilà, vous n'êtes pas tranquille à ce niveau-là. Vous savez que vous avez un choix à faire. Vous savez que vous êtes peut-être... Vous devez analyser certaines choses. Vous êtes en possibilité d'analyser, de comprendre ce que vous avez ce besoin de lâcher. Et je sens, voilà, il y a un besoin d'être face à vos émotions et d'être vrai dans vos ressentis, dans votre relation et dans vos émotions. C'est la chance en fait de traiter ce qui peut-être jusqu'à maintenant vous empêchait finalement de vous épanouir. Vous voyez? Il y a besoin de trouver sa voie, de trouver qu'est-ce qui vous empêchait voilà, de vous satisfaire, d'aller de l'avant, etc. Je vois les livres, donc est-ce que c'est une activité, l'écriture qui vous fait du bien? Pour certains, ça peut être aussi un mystère, quelque chose que vous gardez aussi sur vous, qui vous rend malade. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu par le passé, un lien karmique qui vous fait du tort et du mal. Ou est-ce que c'est une relation qui est cachée, qui est un petit peu secrète? Vous savez qu'il y a quelque chose qui va bouger, par contre, hein, j'entends attendez-vous à du changement, parce que c'est inévitable. Alors, on va regarder les célibataires. Alors oui, ça me dit les célibataires. Ok, on y va. J'entends les célibataires. D'abord pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? Célibataire, on parle d'une réussite. Une réussite. Là, besoin de s'accomplir, de réussir dans cette relation, dans une nouvelle relation dans votre vie. Vous vous protégez encore, mais il y a vraiment une possibilité, d'opportunité. Il y a besoin de guérir de quelque chose du passé, d'accord? Mais là, je sens qu'il peut y avoir une super rencontre. Hein. Les scorpions, il y a vraiment une nouvelle relation. Quelque chose peut-être même qui peut vous déstabiliser. Ou pensez peut-être que, après, peut-être qu'il y a des problématiques de santé que vous avez, ou peut-être physique ou mentale, hein, qu'importe. Et vous pensez peut-être que c'est un frein pour une relation. Mais j'ai envie de dire, il y a une opportunité à saisir qui est une chance. Mais vous vous protégez parce que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur d'avoir mal en tous les cas. Ok, alors qu'est-ce qu'on me dit pour les triangulaires? On me parle de triangulaires. Ok, alors on y va. Pour les triangulaires, quelle est l'information? Les triangulaires. Oh, d'accord. Les triangulaires, vous avez besoin. Eh oui, vous êtes en pleine réflexion sur ce mois de février. Vous savez qu'il y a des choses que vous avez. Vous savez que vous n'allez pas rester comme ça. Vous savez que vous cachez des choses, ça vous rend triste et en même temps, vous ressentez des choses qui sont évidentes, j'entends. Et il y a une opportunité d'une rencontre très très forte, les triangulaires. Mais j'ai l'impression que vous savez que sur ce mois de février, vous devez régler quelque chose, mais ça vous fait peine au cœur. Et pour les couples, allez, on y va. Pour les couples, alors, il y a les révélations d'un homme. Il y a un lâcher-prise par rapport à une relation, par rapport à un homme. Et il y a un besoin de retrouver une stabilité dans la relation. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de lâcher-prise en fait. Vous avez besoin de lâcher-prise sur une relation, dans votre relation, vous-même. Il y a un besoin de prendre des directives et de lâcher-prise. Peut-être que, attention à l'hyper,
Ça peut être de la jalousie ou quelqu'un de jaloux envers vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a, voilà, qui a peur de lâcher le contrôle dans la relation. Donc ça peut devenir aussi tensiogène, hein, sachez-le. Donc il y a un besoin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Je vous disais tout à l'heure, il me semble que je vous parlais de l'année du 8, mais je ne sais plus où. Alors là, déjà, vous l'avez ici. Mais je ne sais plus où j'ai vu le 8. Bon, c'est pas grave. Je sens, voilà, il y a un besoin pour vous. Ah oui, voilà. Pff, ça y est. Mais je me dis, ah, je fais tellement de signes qu'à force, je me dis, je m'embrouille. Mais non, mais ça me redit, si, si, Sabrina. Donc oui, c'est vrai, c'était votre carte du magicien avec le signe du 8. Et puis là, je tique aussi que les petits nœuds font des 8 et là aussi. Et en fait, je vois qu'il y a quelque chose quand même vraiment à équilibrer. Et l'année du 8, c'est ça, c'est l'année de la justice. Donc, il y a un besoin vraiment de rééquilibrer quelque chose dans votre vie, les couples. Ça va être important. Il y a un besoin de réharmoniser quelque chose dans la relation. De dire aussi ce qui va et ne va pas. De pointer du doigt ce qui va et ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que vous exprimez les choses, que ça sera négatif. Bien au contraire. Je dirais même que c'est plus constructif que négatif. Donc voilà, mais en tout cas, vous avez besoin de trouver l'harmonie et l'équilibre. Voilà, vous avez besoin de remettre les choses un petit peu comme ça, en mode, on pose les choses et on en discute, quoi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça me ferait très plaisir en tous les cas, ça aide beaucoup, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique si vous voulez aller voir ce que je propose. Moi, en tous les cas, je vous envoie de belles énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde pour vous ce que je vois sur votre sentimental du mois de février. Allez, alors, votre carte énergie, c'est la fécondité. C'est la naissance de quelque chose, en tout cas le cheminement. On n'est pas encore sur la vraie naissance parce qu'on est sur la fécondité, donc on vous parle d'une situation qui est encore un peu comme ça en train d'évoluer. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est en train de se construire et d'évoluer dans quelque chose de positif parce que la fécondité emmène à une naissance, donc la naissance théoriquement emmène à la joie et à quelque chose de concret. Donc on voit qu'il y a une évolution au niveau sentimental et on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. Vous avez envie de faire naître ou renaître ou d'évoluer par rapport à une situation sentimentale. Mais on sent que voilà, vous avez encore besoin un petit peu de temps et les choses évoluent tranquillement. Tranquillement mais sûrement. Alors, où on va au niveau énergétique sur le plan du défi? On parle de l'hérédité. Donc on parle du passé, de quelque chose qui vous ramène à du financier aussi pour certains, quelque chose dans lequel vous êtes en train de voir et comprendre aussi certaines choses au niveau financier, j'entends. J'entends aussi quelque chose qui vous relie à des personnes de votre entourage et de la famille, des choses à régler vis-à-vis, peut-être aussi d'une problématique vis-à-vis d'un enfant, dans une relation autour d'un enfant, la garde d'un enfant, etc. Ou une problématique tout autre. Et ça me parle aussi peut-être de quelque chose de votre passé qui pourrait remonter à la surface. En dos, on a quoi? L'amitié, l'entourage, les personnes qui seront autour de vous, qui en tout cas vous aideront, quoi qu'il en soit, à vous épanouir et à vous ouvrir. Vous comptez aussi sur le soutien et le maintien de personnes autour de vous, les Sagittaires, pour vous aider dans une situation. Vous avez aussi envie que les choses bougent et évoluent. Hein. Vous avez besoin de retrouver des amis, une amie, en tout cas, voilà, vous avez un besoin d'être entouré dans ce que vous vivez sur ce mois de février. Vous allez peut-être faire de nouvelles rencontres aussi, j'entends les... Ah, je vais y arriver, les Sagittaires. Allez, on va remélanger encore une fois. Voilà, j'aime bien quand ça se mélange bien. Allez, c'est parti, les Sagittaires, pour ce mois de février aussi, au niveau sentimental. Allez, on me parle de quelqu'un qui pourrait avoir eu le sentiment d'être volé, dupé. Ah, elle s'éteint. Voler, duper, qui peut... il y a une situation dans laquelle je vous parlais d'une problématique vis-à-vis d'un enfant ou par rapport à... Voilà, peut-être quelque chose de financier à mettre en place. Il peut y avoir aussi un héritage, quelque chose comme ça aussi. Quelque chose dans lequel on vous a légué quelque chose ou à capter quelque chose à ce niveau-là. Au niveau sentimental, je ressens aussi peut-être une forme de lâcher prise dans votre vie. Ouh, j'en vois tout valdinguer. Alors attendez, j'étais pas du tout concentrée en plus du coup. Alors, on la refait. C'est parti.
Allez, Erid, ben, vous voyez, rien n'est au hasard. De toute façon, si vous l'avez sorti là, c'est pas anodin. Bon, il y a quelque chose à faire attention par rapport à du financier, par contre, dans une relation, ou en tout cas, quelque chose où vous êtes dans la... Vous devez faire attention à quelque chose au niveau des relations que vous avez autour de vous. Ça peut être aussi dans des projets que vous avez envie de faire. Même si c'est du sentimental, je l'entends quand même. Donc, je vous le dis, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui se relie aussi à une personne du passé, hein, je viens vous le dire. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. Au niveau sentimental, soit vous n'avez pas encore tourné la page, soit vous êtes déçu à chaque fois. Donc, pour l'instant, vous fixez sur des objectifs. Soit c'est quelqu'un qui cherche à vous nuire et qui cherche à vous empêcher d'évoluer dans une relation ou d'évoluer dans cette relation. Vous vous sentez piégé, emprisonné, ça avance pas, ça bouge pas. Ça va bouger. Ça va bouger, sachez-le. Sur la fin de ce mois de février, il y a des choses qui vont se décanter. Vous n'allez pas pouvoir rester indéfiniment bloqué. C'est pour ça que c'est en cours. C'est pour ça que vous avez la fécondité. C'est que vous êtes en train de régler ce qui vous bloque, ce qui vous empêche de vous sentir heureux et épanoui. Ça peut être dans une nouvelle rencontre, dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, dans une triangulaire, qu'importe. Mais vous allez régler ce qui vous empêche de vous sentir totalement libre. Donc, vous n'allez plus vous retenir. Vous allez pas, on ne vous retiendra pas, hein, de toute façon. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, magnifique. On vous parle de la 8 de coupe. Ça vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie de... Oui, je vérifie qu'il y en a bien 8. 5, 6, 7, 8. Oui, c'est bien, Sabrina. 8 de coupe. Je sens que vous avez un besoin... comment expliquer ce que je ressens? C'est un peu particulier. Je sens que vous avez... Vous êtes en train d'évoluer, en fait. Pour certains, il y a quelque chose qui se passe hyper... comment dire ça? C'est difficile à expliquer ce que je vois, ce que j'entends, mais c'est... Pour mettre les deux ensemble, c'est pas toujours évident. Et en fait, je sens que il y a des objectifs que vous avez envie de concrétiser. Donc, si vous devez faire ces objectifs-là, ben en fait, vous allez laisser ce qui vous empêche d'obtenir ces objectifs-là. Vous voyez? Je sens que vous avez aussi des portes qui vont se fermer, mais c'est vous qui allez décider de les fermer, j'ai l'impression. Vous allez fermer la porte à des personnes qui, peut-être de votre passé, quelque chose qui vous relie à l'hérédité, à du passé, à quelque chose d'ancien qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vous avez... J'entends que... Comme si vous avez été usé, en fait, vous voyez? Comme si vous avez été usé. Je sens qu'on a puisé votre énergie. Je sens que vous allez lâcher prise sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Pour retrouver de l'énergie, pour retrouver une force vitale, pour retrouver une possibilité d'élévation. Vous n'avez plus envie que quelque chose vous puise et vous épuise. Alors, qu'est-ce qu'on vous prend? Qu'est-ce qu'on vous prend? Ah, on va aller voir. C'est votre... c'est l'hérophante. Et ouais. Il y a vraiment cette... Il y a vraiment cette énergie, comment dire ça? Cette mémoire karmique. Il y a quelque chose qui est profond. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vous interroger sur votre passé, sur ce que vous avez envie de concrétiser. Ça peut être dans votre relation, mais ça peut être autour. Ça peut être plus profond que ça. Ça peut être dans toutes les relations que vous avez autour de vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez besoin de vous recentrer, en fait. Et de prendre le temps d'écouter aussi ce que votre intuition vous dit. Ça peut être un lien avec une personne qui n'est plus là d'ailleurs, qui n'est plus de ce jour, j'entends. Et malgré tout, vous ressentez quelque chose, un appel de cette personne, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous relie. En particulier si c'est une mère en particulier, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Je pense qu'elle se manifeste d'ailleurs autour de moi. Si c'est, j'entends parler d'une maman en tout cas, qui se manifeste autour de vous. Qui a besoin d'être là, qui vous soutient, surtout si vous passez des moments compliqués. Elle peut être là, bien sûr, en tant que défunte, hein, c'est ce que je ressens, mais pour certains, ça peut être aussi une femme importante pour vous, dans laquelle, qui va venir vous épauler aussi. En tout cas, il y a une femme importante. 9 de Pentacle. Vous devez sortir d'une situation dans laquelle vous avez la sensation, vous êtes... J'entends deux choses, pardon, hein, mais j'entends pour certains, vous êtes obsédé par la réussite. Donc, c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que du coup, ça laisse pas beaucoup place à l'amour dans ça. Donc, peut-être c'est un choix. Et attention, si c'est le cas, c'est top. Parce que si c'est bien vécu, c'est parfait. Mais pour certains,
Vous avez tellement peur d'être exploité ou d'être pris, encore une fois, pour le côté matériel, etc., etc., qu'en fait, ça vous bloque. Vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous prend de l'énergie. C'est pas possible. J'en fais qu'entendre cette phrase-là. Eh oui, on a la tour. Donc, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se réveiller, de sortir d'une situation, mais oui, complètement, de sortir de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. C'est une relation qui est hyper balèze, en fait, hein, pour le coup. Il y a une relation comme ça qui peut être hyper karmique, mais alors elle vous effraie ou vous cherchez votre moitié, hein, clairement. Et ce que vous avez rencontré avant n'était pas le cas. Et pour d'autres, vous avez une relation d'âme avec cette personne-là. Vous avez concrétisé des choses avec cette personne. Vous sentez qu'il se passe un truc qui n'a pas de mots, en fait, hein. Vous ressentez que cette liaison, cette relation, elle est forte. Elle est importante. Et pour d'autres, voilà, vous devez lâcher prise pour les célibataires sur une relation peut-être qui a été super difficile, hyper injuste. Une personne qui vous a fait vachement de mal. Mais vous serez victorieux. Ça, c'est cool. Vous serez victorieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, je ne sais pas si j'en ai pas sorti une autre là au milieu. Je vérifie. Non, c'est bon. Alors, oh, le serpent. Snake. Les nuages, ok. Bon. Pff, carrément, je lâche tout, moi. Je lâche tout. Allez, c'est parti. Je lâche tout. On lit le jeu entier. Non, allez, c'est parti. Si, hein, vous voyez, ils veulent, hein, ils veulent que je vous fasse un... Mais je veux pas faire que vous. Je ne peux pas. Je n'ai pas assez de temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, voilà, on y est. La femme, the woman. Allez, et on a l'étoile, star. Ok, allez. On vous parle d'une situation, voilà. Pour moi, là, il y a quelque chose dans lequel, attention, au niveau énergétique, de ne pas être face à un pervers narcissique, une pervers narcissique, ou quelqu'un comme ça qui vient un petit peu vous enfermer, qui est hyper contrôlant, qui cherche à vous manipuler plus. Homme, femme, attention, je ne mets pas de nom, de genre sur ces personnes-là. Vous devez voir honnêtement ce qui est face à vous. Hein. Par contre, c'est hyper important. Si c'est un pervers narcissique ou une, on s'en fout. Il y a vraiment ce besoin de... Il y a vraiment ce besoin de pouvoir vraiment sortir d'une situation dans laquelle c'est plus possible. Il y a une personne, ça peut être aussi familial, hein, ce karma-là, ce que je vois. Hein. Pour certains, il y a un karma familial ou dans la relation. Si vous êtes lié à une personne, mais par contre, voilà, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'amour. Et ça vous fait peut-être du tort, ça vous fait peut-être du mal, vous espérez encore de sauver les meubles, mais pour certains, ça ne sera pas le cas. Parce que la tentation est plus forte. La tentation est là, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas et que ça va pas dans le bon sens, quoi. Donc, il y a vraiment ce besoin d'évoluer. Il y a un besoin d'avancer. Pour certains, vous êtes focus dans vos projets. Et c'est votre... pour l'instant, l'amour n'a pas de place. Parce que vous êtes focus dans vos objectifs, dans vos projets. D'autres, il y a quelque chose à comprendre, à lâcher au niveau karmique ou une personne hyper toxique. Oh, là, on a le serpent, on ne peut pas dire mieux. Là, pour moi, le serpent... Alors, le serpent, quand même, peut vous dire que vous changez de peau. Ça peut être vraiment une mutation, vous voyez, une renaissance. On laisse sa peau d'avant pour renaître d'une nouvelle peau. Mais là, pour le coup, perte et vol, je ne sais pas. Moi, je le ressens comme ça. Mon côté énergétique à moi me dit... Ouais. Je pense qu'il y a eu de la manipulation de la part de certaines personnes autour de vous. En tout cas, une personne qui est assez... assez narcissique, j'entends, ou en tout cas assez assez égoïste. Alors, on va regarder au niveau des couples. J'entends parler de couples. Alors, on y va. Pour les couples, qu'est-ce que je vois? Hop. Allez, on vous parle de croire en une possibilité d'une relation forte et puissante. Pour certains, il y a vraiment une relation qui est importante, mais j'ai l'impression qu'on vous veut du mal. Alors, et on parle d'une désillusion. Oh. Alors, est-ce que dans une relation, vous avez l'impression d'être déçu, ou en tout cas des personnes qui vous entourent dans la relation en elle-même, et donc du coup, on sent que
il y a une désillusion de cette personne ou quelqu'un qui est relié par le karma à vous. J'ai l'impression qu'en tout cas, vous avez envie de trouver la bonne personne. Vous n'avez plus aussi envie de vous investir dans des relations qui ne sont plus les bonnes. Et pour d'autres, bon, ben, on va aller... Pour certains couples, il y a la triangulaire qui arrive, ou en tout cas, vous avez envie de sortir de cette relation si elle ne vous correspond plus. Surtout si vous êtes face à quelqu'un qui vous déçoit, en fait, à chaque fois. Vous lui donnez des opportunités d'arranger les choses, mais à chaque fois, vous êtes déçu. C'est compliqué, quoi, du coup. Alors, pour les triangulaires, j'entends parler de triangulaires. On y va. Vous êtes un petit peu triste. Vous attendez que cette personne fasse certains choix. Vous attendez patiemment. Vous attendez patiemment, clairement. Vous attendez que quelque chose se débloque. Vous sentez un petit peu triste. Vous avez besoin d'affection. Vous avez besoin de partage. Vous posez beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Vous faites un certain constat en réalité dans votre vie. Mais j'ai envie de vous dire, vous préférerez être seul finalement que d'attendre en vain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les célibataires? Vous êtes entouré en tout cas, les triangulaires par contre. Hein. Allez, pour les célibataires, on a la punition ou la dispute. Il y a des tensions avec une personne, hein, les célibataires. Ça clash, ça clash. Alors, vous êtes peut-être sur encore sur un ex, une ex, etc. Et vous n'êtes pas passé à autre chose et c'est le feu avec cette personne. On vous dit de rester sage, prudent, de vous détacher de cette situation. Il y a des peurs, mais oui. Il y a des peurs d'être déçu, peur de décevoir, peur de ne pas avoir la bonne personne, peur de nouveau se sentir prisonnier ou prisonnière dans une situation, de s'engager dans une relation qui, au final, ça retombe comme un sifflet, j'allais dire, mais plutôt un soufflé. Donc, je sens qu'il y a un besoin de se délivrer des échecs. Vous voyez, de l'ennemi, là. Voilà, c'est vraiment... Il y a quelqu'un autour de votre couple ou dans votre couple ou... qui vous nuit, hein, qui cherche... Vous avez bien... J'ai bien peur que, voilà, cette personne, elle vous met un petit peu des bâtons dans les roues, ou c'est cette personne, finalement, qui n'est pas réactive, quoi. Qui n'est pas réactive et qui risque, pour certains, vous risquez de partir parce qu'il n'y a plus d'amour, en fait. Plus d'amour ou parce que vous êtes usé... plus qu'usé, quoi, voyez. Donc ce mois de février va être important pour vous, les Sagittaires, parce que vous allez prendre des décisions et on vous montre certaines choses. On vous montre certaines choses pour pouvoir justement être heureux, pour trouver l'épanouissement. Si ce n'est pas le cas, les choses vont se mettre face à vous pour que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et après, si tout va bien dans votre relation, c'est l'amour qui est parfait, pas de problème. Mais c'est autour de vous que vous avez vraiment des personnes mal intentionnées. Sachez-le, qui pourrait venir, quelqu'un qui pourrait séduire la personne que vous aimez, ou qui vient et qui essaierait de vous séduire à vous, une personne, ou des personnes qui parlent, ou dans l'entourage familial. En tout cas, il y a du serpent autour de vous. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, vous pouvez mettre un petit j'aime aussi et activer la cloche de notification. Et bien sûr, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous envoie de belles énergies, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, on passe à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. On y va. Alors, on regarde votre énergie sentimentale de ce mois de février pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage. On vous dit de prendre de la hauteur, de prendre une situation, les Capricornes, vous avez besoin de vous sentir beaucoup plus libre. Je sens un déplacement, un voyage qui va être important également pour vous. Je sens aussi également que vous pourriez rencontrer une personne, ou ça me parle d'une personne peut-être qui est étrangère, ou en tout cas qui a des origines différentes, une culture différente de vous. Vous pourriez faire la rencontre d'une personne, en tout cas, qui peut vous dépayser aussi, j'entends. Alors, quel est le défi, du coup, pour vous? Allez, c'est la fécondité. C'est de prendre le temps, de ne pas aller forcément trop vite, de prendre le temps de construire les choses correctement pour que vous soyez complètement dans l'apaisement.
on voit que vous êtes en train, vous avez envie pour certains d'évoluer, mais ça prend du temps. Donc, il ne va pas falloir se brusquer, j'ai l'impression, sur... ouais, il y a ce besoin d'équilibre. En dos de deck, on a la loi. Donc, il est question d'équilibre, de trouver un équilibre, d'évoluer peut-être tranquillement, mais doucement. Peut-être quelque chose qui touche à la fécondité, donc peut-être l'envie d'avoir des enfants. Peut-être aussi par rapport à une vie de famille, une famille recomposée ou des enfants, bien sûr, qui viennent un petit peu ben, voilà, faire bouger un petit peu les choses au niveau sentimental. Vous avez un besoin de trouver de l'équilibre dans votre vie et de retrouver une espèce d'harmonie, j'entends, pour vous. Allez, on va aller regarder ce qu'on vous dit au niveau prédictif. Alors, j'en ai trop. Les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le Bélier sur le sentimental de février? On me dit de prendre celle-ci. Ok, on parle d'une super réussite sentimentale, de projet dans lequel vous vous êtes impliqué avec une personne. Ça peut annoncer des déménagements hein, pour certains. Un déplacement, un déménagement, une situation peut-être qui vous permet enfin d'évoluer. Il y a une forme de lâcher prise. Ça c'est très très bien. Et on a les plaisirs. Ok, bon, mais c'est cool. À la base, voilà, les pertes, elle fait peur parce que bien sûr, il est question peut-être de perdre certaines choses, d'avoir l'impression qu'on nous vole, que quelqu'un n'est pas honnête, etc., etc. Et en fait, vol et perte aussi, enfin moi c'est mon interprétation et je l'entends comme ça également. Et c'est important de s'approprier les cartes, hein, sachez-le. Enfin moi je trouve. Ça peut être une forme de lâcher prise aussi sur la vie, vu que ça vous emmène à une réussite. Donc pour moi, je vois plus ça comme un lâcher prise, comme une libération. Et c'est ce que j'entends surtout, parce que c'est le plus important, c'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment cette libération de renouveau. Vous voyez, il y a tout qui vous sourit, la passion, etc. Vous laissez le passé derrière vous, en fait, les Capricornes, et vous êtes confiant sur votre avenir. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour d'un enfant ou des enfants, pour le coup, pour un couple ou pour une reconstruction de famille. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Il peut y avoir une rencontre naissante aussi, où il est question de se rencontrer, de se voir et de peut-être... alors peut-être vous avez peur d'être déçu finalement de cette personne, parce que ça fait peut-être plusieurs mois que vous discutiez, etc. Donc vous avez un petit peu peur peut-être d'être déçu, mais visiblement on parle d'une réussite. Donc c'est plutôt favorable. Il y a besoin de se faire plaisir, de se lâcher un petit peu aussi, parce que les Capricornes, vous avez une tendance à vouloir tout contrôler. Et ça peut être une très belle qualité, mais ça peut être un très vilain défaut. Parce que au final, vous ne lâchez pas prise aussi dans votre vie. Il y a un besoin aussi de retrouver du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes toujours dans le cérébral ou dans le en train de réfléchir, de calculer, de projeter. Enfin, vous êtes dans cette énergie comme ça, vous avez envie d'aller de l'avant tout le temps. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il y a des fois où il va falloir aussi lâcher prise. Et j'ai l'impression que dans le sentimental, ben, c'est là où on vous demande un petit peu, au niveau de vos émotions, de lâcher prise en fait. On va aller regarder encore ce qu'on vous dit les Capricornes. Alors, sur le sentimental de février, il y a quelque chose qui vous permet de prendre un petit peu de la hauteur. Et ça peut vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir porté, aimé, confiant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Trois de pentacles, super. On a le 4 de bâton à l'envers. J'en ai trois à chaque fois. Allez, elles viennent toutes seules. Eh oui, la force. Ok, bon. Quoi qu'il en soit, vous ne vous ferez pas duper à avoir parce que vous avez la force de voir les choses. Donc si on vous a fait du tort, du mal dans le passé, vous avez cette force en vous pour pouvoir justement vous remonter d'une situation. Vous devez aussi arrêter de lutter, de combattre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie ou par rapport à une émotion, etc. que vous avez. Soit parce que vous contrôlez, soit parce que c'est quelque chose qui ne vous correspond plus. Il y a une forme de lâcher prise dans votre sentimental. Je ressens pour certains avec le 4 de bâton, qui, comme on l'a à l'envers, il y a un petit peu de solitude, un petit peu de repli. Il est peut-être question aussi de faire un travail au niveau de vos propres énergies pour vous sentir plus heureux, plus apaisé et plus dans une communion. Pour certains, pour les célibataires, il pourrait y avoir une situation où vous vous sentez un petit peu seul. Donc il est question aussi peut-être de vous ouvrir aux autres pour justement vous permettre de concrétiser des choses, de pouvoir réaliser des choses, d'avoir une reconnaissance aussi
de vous, de ce que vous faites. J'ai l'impression que vous pouvez être considéré en fait par rapport à une réussite, par rapport à une envie de faire bien les choses. Mais attention au revers de la médaille. C'est-à-dire des fois à trop vouloir en faire, on perd de l'énergie et c'est quelque chose qui peut du coup ne pas être constructif pour vous. En dos, on a le 7 de bâton. Je vois que... Alors, j'entends plusieurs choses. Il y a un besoin... Voilà, encore une fois, on est dans la planification, on est dans des choses au niveau des énergies où on doit être courageux, etc. On doit être dans les convictions. Donc ça, c'est ce que vous êtes. Mais quand on met ça à l'envers, forcément, ça vous parle aussi de quelqu'un qui est trop dans la planification, qui est trop dans le contrôle, qui fait preuve peut-être de trop de fermeté, finalement. Donc aussi, à trop vouloir concrétiser des choses, que ce soit dans n'importe quel domaine, pour le coup, ça influe dans votre sentimental. Et ça vous laisse peut-être pas assez place aussi à l'amour ou à la surprise dans votre vie, etc. Vous voyez, la queen, elle est juste derrière la reine de coupe. La reine de coupe, elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être entourée. Elle a besoin de douceur. Elle a besoin de se retrouver. Mais elle n'est pas toujours parfaite, elle n'est pas toujours dans un espèce de contrôle parfait. Il n'y a pas de relation parfaite. Mais en tout cas, il n'y a pas non plus un besoin de se faire abuser au niveau de ses énergies, hein, clairement. On continue, on regarde ce que l'on nous dit. Alors, pour vous, les Capricornes, sur votre sentimental, on vous parle de courriers, de lettres, de discussions importantes pour vous. On vous parle du fouet également. Alors, il y a une communication qui pourrait être une clé pour vous par rapport à... Ah, j'avais pas vu, elle était à l'envers. Et on a le changement. Ok. Donc, on vous parle d'une communication qui est importante, d'une discussion. Je vous dis, pour certains, vous êtes en train de discuter avec une personne et il serait peut-être question de vous rencontrer, etc. Et on vous dit que... Pardon, j'ai le ok. Que finalement, vous avez une possibilité de vous rencontrer et ça porterait ses fruits. Il y a peut-être des projets aussi de déménagement, comme je vous disais tout à l'heure, de vivre ensemble, etc., qui pourraient vraiment porter ses fruits. Je sens que vous êtes en train de peaufiner des détails ou des choses que vous êtes en train d'accomplir justement dans ces projets au niveau de la famille. Ou même vous en tant que personne, attention. On a en tout cas un besoin d'arrêter de se punir. J'entends que vous devez arrêter de vous punir pour certaines choses. Je pense qu'il y a des choses que vous ne devez plus garder, les Capricornes. Des choses dans lesquelles vous vous sentez contraint ou à faire ou à prouver, etc. Et je sens qu'il y a vraiment ce besoin d'arrêter aussi de prouver à tout le monde ou aux autres, etc. que tout est parfait ou que vous pouvez tout contrôler. C'est quelque chose qui peut être très très difficile pour vous à vivre. On a la carte du changement. Donc vous ne voulez plus perdre d'énergie et il y a un besoin de lâcher prise. Je ne fais que entendre ça depuis le début de votre jeu. C'est pas anodin si j'insiste. Visiblement, c'est qu'il y a un besoin de lâcher. Lâcher quelque chose, soit vous êtes trop dans le contrôle, vous attendez quelqu'un, donc vous attendez que cette personne vienne à vous et ça vous frustre. Donc lâcher, lâcher prise. Ça ne veut pas dire oublier forcément quelqu'un, mais lâcher prise, c'est d'arrêter de dire « bon, je veux absolument quelque chose ». C'est normal d'avoir envie parce que ça crée des objectifs, mais il ne faut pas que ces objectifs, finalement, vous empêchent de vous libérer de vous, en fait, de que ça en devient pesant, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a l'homme qui apparaît. Donc, vous pouvez être un homme, ça peut être un homme autour de vous, ça peut être une polarité masculine. Et dans l'homme, on a ce côté un petit peu questionnement, prise en main, des choses que vous pouvez faire de vous-même. Il y a un besoin de, voilà, de prendre conscience de certaines choses qui vous entourent, dans lesquelles vous avez besoin de vous en libérer. Alors, on regarde au niveau des couples. Alors, on regarde avec les couples, si je peux vous dire quelque chose en plus. On en a combien ? Allez, on en a 4. On vous parle de la naissance, vous voyez, encore la fécondité. Pour certains, c'est un projet, ou en tout cas, vous faites le projet peut-être d'une grossesse, ou pour certains, c'est quelque chose de naissant. Enfin, j'entends parler de projet naissant par rapport à une construction, un déménagement, quelque chose dans lequel vous avez peut-être envie de vivre ensemble pour les couples. Si vous vivez déjà ensemble, je sens qu'il y a des projets à venir. Ça peut être une personne aussi autour de vous qui peut vous annoncer une grossesse aussi, et du coup, ça va impacter votre vie personnelle.
Je sens aussi pour certains que voilà, il y a des, vous posez des questions sur le devenir, sur une grossesse, sur l'envie de faire des enfants. Alors, est-ce que c'est une problématique pour vous parce qu'on a l'impasse ou est-ce que cette personne n'est peut-être pas encore prête? J'ai l'impression qu'il y a besoin de discuter en tous les cas, d'aller peut-être vous renseigner si vous avez du mal pour tomber enceinte, etc. Et on voit qu'il y a une prise de conscience qui vous emmène à une réussite. Donc, quoi qu'il en soit, ça vous porte. Pour certains aussi, voilà, il y a des nouveaux projets qui sont naissants. Il y a encore des petites choses qui couacent légèrement. On vous dit que c'est en cours de gestation, hein, clairement, mais que vous allez avoir un déblocage et une réussite sur ce mois. Pour les... J'entends pour les triangulaires. D'accord. Allez, j'entends les triangulaires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les triangulaires? Et après, on fera les célibataires, bien sûr. Allez, on vous parle d'un obstacle, d'une situation dans laquelle effectivement vous vous sentez un petit peu voilà, pas très soutenu en fait par rapport à cette relation ou vis-à-vis de cette personne. Ça vous coûte un petit peu au niveau de votre énergie et on vous parle d'une opportunité qui sera à saisir. Vous avez un besoin pour certains d'avoir un besoin de soutien. C'est vraiment ce que je ressens. Un besoin de soutien, une main tendue. Il y a quelque chose dans lequel vous avez un besoin de vous délivrer de certains blocages. Alors, soit parce que vous prenez conscience de choses qui vous bloquent, clairement, ou qui vous bloquent. Ça peut être par rapport à la santé d'une personne, ça peut être votre propre santé, ça peut être des choses, santé veut dire physique, mentale, enfin, voilà. Votre énergie aussi, tout simplement. Un alignement aussi qui doit être là. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de soutien. Vous recherchez sur ce mois du soutien de la personne avec qui vous êtes dans cette triangulaire. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? Je pense qu'il y a un besoin par contre de nettoyer des choses quand même hein, au niveau énergétique parce que je vous sens un petit peu à fleur de peau quand même. Pour les célibataires, allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une guérison à avoir, à lâcher prise, à vivre l'instant présent, à retrouver de la force dans votre vie. Et vous êtes prêts au changement, les célibataires. Et à voir beaucoup plus clair. Ok. Et qu'est-ce qu'on a pour synthétiser, on a l'espoir. C'est joli. On parle en tout cas que tout est permis avec l'espoir. Et on vous dit que... Alors, l'espoir peut bien sûr faire rêver. Et l'espoir peut aussi nous laisser dans une situation dans laquelle on est inconfortable. Donc si pour certains vous sentez que vous êtes dans une relation inconfortable et qu'on vous donne de l'espoir mais qu'il ne se passe pas grand chose, on vous dit qu'il y a un besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça et peut-être de lâcher prise sur certaines choses dans vos émotions. L'espoir aussi c'est peut-être que cette personne ou cette relation continue et vous donne envie d'espérer à plein de jolies choses et ça fait du bien et c'est chouette en fait. Et donc du coup vous avez envie de continuer d'avancer dans cette relation. Les célibataires, il y a vraiment une guérison hein, par rapport à quelque chose du passé qui vous a fait du tort, du mal, une personne du passé, un ex, une ex. Et on voit qu'aujourd'hui, je ressens que vous avez besoin de retrouver de la force dans ce que vous allez entreprendre. Vous êtes amené à ce changement, à une clairvoyance de cette relation qui peut-être vous a fait beaucoup de mal et beaucoup souffrir. Et là, aujourd'hui, ben, c'est une forme de délivrance. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. J'entends aussi que quelqu'un pourrait dire ses sentiments, pourrait vous révéler aussi, finalement, ses sentiments aussi vis-à-vis de vous. Donc, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne et même activer la cloche de notification. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de très belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. On y va, on regarde pour votre sentimental de février. Allez, quelle est l'énergie pour vous, les Verseaux, de ce mois de février? Alors, on parle de verdict. Oh, alors, deux choses. Soit c'est parce que vous avez l'impression, les Verseaux, de vous sentir jugé, coupable, accablé. Des choses où vous avez l'impression qu'on vous juge et que c'est votre procès. Soit pour certains, il y a quelque chose aussi, peut-être au niveau de la loi qui s'acte autour de vous, qui sera important, et un verdict qui va tomber, qui sera comme une délivrance pour vous. Soit pour d'autres, ben justement, il y a ce besoin de... comment dire ça? De sortir d'une forme de jugement autour de vous. Il y a un besoin de faire aussi certaines choses et de dire et de mélanger... Enfin,
les actes vont avec les paroles et les paroles vont avec les actes. Et j'ai l'impression qu'on vous demande d'acter aussi certaines choses, en fait, les Verseaux. Alors, on va les regarder. Votre défi, c'est l'examen. Alors, c'est le besoin de réfléchir. Pour certains, c'est quelque chose au niveau d'administratif. Hein, clairement, il y a des choses qui sont examinées. C'est encore des choses qui peut-être qui nuisent ou en tout cas qui vous causent du tort et du stress dans une relation, dans un couple. Ça vous dit aussi d'apprendre mieux les choses, d'aller plus dans la profondeur, d'être dans l'apprentissage aussi. Peut-être vous êtes en train d'apprendre certaines choses sur vous-même ou par rapport à une personne, vous êtes en train d'apprendre aussi des choses qui vous font moyennement peut-être plaisir. On vous dit de vous laisser le temps, de laisser le temps faire les choses aussi, de contre-temps aussi qui pourrait avoir lieu bien sûr sur ce mois au niveau sentimental. Ça peut vous parler aussi d'une personne avec qui vous êtes depuis très longtemps ou d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors, on va aller regarder du coup au niveau prédictif ce que je vois. C'est parti, les Verseaux pour vous. Alors, quel est le message pour vous, pour votre sentimental, les Verseaux? Voyez, vous avez l'impression que c'est votre jugement, hein, ça c'est sûr. Vous avez l'impression d'être jugé, pointé du doigt, bloqué dans une situation qui vous accable un petit peu, qui vous pèse. Pour certains, il y a un départ, un nouveau départ dans votre vie. On me dit de vous prendre celle-ci. Ça vous mènera à une réussite, quoi qu'il en soit. Il y a un nouveau départ, il y a une envie de bouger, de voyager, peut-être d'organiser quelque chose pour vous. Ça peut être dû à une relation avec qui vous êtes en distance. Je sens que voilà, il y a des choses à régler, peut-être au niveau administratif aussi, qui peut vous permettre justement ce nouveau départ et cette réussite. On donne à les pourparlers. On a des discussions, il y a un besoin de parler, de dire, de peut-être exprimer, confier aussi ce que vous avez sur le cœur. Ça peut peut-être vous faire du bien. On parle d'une femme aussi du passé qui pourrait revenir aussi avec qui peut-être vous êtes déjà engagé. Alors, on regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le tarot? Ah, pas mal. On a le 4 de Pentacle. Et on a quoi? On a l'As de coupe et on a l'impératrice. Alors, je vois qu'il y a un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Je vois que vous êtes sur un besoin d'être dans l'harmonie, d'être heureux, de construire quelque chose, mais sur du renouveau. Pas sur quelque chose, ça ne veut pas dire que vous allez quitter la personne avec qui vous êtes forcément, mais ça veut dire en tout cas qu'il y a de nouveaux objectifs, et il y a un besoin de renouveau dans votre vie. En dos, on a quoi? On a le 6 de coupe. Ok. Pas mal de coupes. Ok. H de coupe, on a vraiment ce besoin de trouver l'amour. Il y a une réussite d'une relation très 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 forte. Une personne avec qui voilà, vous pouvez affronter n'importe quelle épreuve. Cet amour, il est là. Il est toujours là. Vous le chérissez pour certains très très fort. Vous avez vraiment conscience aussi des fondations de cette relation qui est très 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 solide. Et donc du coup, automatiquement, ben, vous avez le retour finalement de tout ce que vous avez fait. Vous êtes, même si certaines choses vous bloquent, peut-être émotionnellement ou peut-être autour de vous, il y a encore des petits blocages. Mais en tout cas, vous êtes emmené, voyez, encore une fois, à avoir ce besoin de prendre conscience de certaines choses. Et ça vous fait du bien. Ça vous aide à sortir d'une situation qui était bloquée et qui était un petit peu difficile. Pour certains, c'est peut-être un divorce, hein, qui doit être prononcé, ou quelque chose aussi au niveau d'administratif dans les papiers qui touchent la maison, le foyer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, j'en ai trop d'un coup. J'en aimerais trois, si possible. Allez, on en a déjà une, on en a déjà deux. C'est déjà bien, j'ai envie de dire. Allez. Il y a quelque chose qui vient vous débloquer là. Là, vous sortez d'un blocage. Et vous étiez un petit peu accablé, bloqué, limité, ou vous sentiez que vous aviez une incapacité d'avancer, les Verseaux. Et là, vous vous libérez littéralement de tout ce qui vous empêche d'avancer. Il y a quelqu'un qui peut vraiment être très, très, comment dire, très connecté à vous en fait. Hein. Ah oui, ouf, magnifique, magnifique, magnifique. Alors là, les Verseaux, mais que vous dire? Bon. Voilà, fallait la petite note. Tchoum. On a la faux. Super. Le danger, la mort, on adore. Alors, ça ne veut pas dire que la mort, c'est négatif.
Tout est relatif à ce que je suis en train de te dire. Mais disons que peut-être il y a eu des coupures, des cassures qui vous ont peut-être accablé, affligé. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été difficile, que vous avez vu comme comme un serpent, quelqu'un qui vous a fait du tort et du mal, quelqu'un qui cherche à vous nuire, ou en tout cas quelque chose qui a été difficile à digérer en tous les cas. Et on voit que vous allez vous relever de tout ça. Vis-à-vis de cette relation, il peut y avoir vraiment de nouveaux projets dans la maison, dans le foyer. Ça concerne vraiment tous les membres de votre famille. Il y a un bonheur qui peut être retrouvé. Et pour certains, clairement, vous allez fermer le livre pour pouvoir vraiment vous engager dans une relation. Ça vous dit aussi de prendre le temps, par contre, de connaître quelqu'un, d'aller plus dans la profondeur aussi, surtout si vous êtes célibataire ou vous êtes dans une nouvelle relation ou deux personnes qui se tournent un peu autour. On vous dit de prendre le temps réellement de discerner les choses. On vous parle aussi, j'entends, de votre propre valeur et de retrouver une certaine estime de vous-même, les Verseaux, qui sera important pour vous. Vous faites des choses pour vous, vous n'avez plus envie qu'on vous juge, vous n'avez pas envie d'entendre ce que vous n'avez plus envie, donc clairement. Il y a ce besoin de trouver la personne avec qui vous avez envie d'avancer, vous engager. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose, un changement de vie, un changement de cap. Donc ça peut être une libération d'une séparation, ça peut être aussi des projets. Faire de nouveaux projets en famille ou dans le couple, peut-être travailler ensemble, vivre ensemble, faire le projet d'une maternité, enfin d'une grossesse, d'un enfant. En tout cas, vous avez envie, ça peut être quelque chose aussi au niveau d'une maison, améliorer, faire évoluer, partir en vacances. Vous êtes en train de mettre des choses en place et il y a aussi un besoin de vous prioriser, les Verseaux, sur ce mois de février. Il y a ce besoin, voilà, de vous faire du bien aussi. En même temps, c'est votre mois anniversaire aussi, hein, en février encore pour vous les Verseaux. Donc, pour certains, ça peut être, voilà, de l'appui, des cadeaux, ça vous fait du bien, ça vous donne une certaine confiance en vous. Pour certains, il peut y avoir des demandes de mariage ou des officialisations au niveau d'une relation et ça serait extrêmement puissant parce que vraiment, c'est une relation qui est très karmique, très destinée, dans lequel vraiment il y a vraiment une relation très intense. Alors on va regarder, du coup, on va regarder pour les triangulaires. Ça me parle des triangulaires. Alors on y va. Pour les triangulaires, qu'est-ce que je vois pour vous? Pour les triangulaires, on me dit de prendre celle-ci. On parle du carrefour. Ok. De faire un choix, le choix d'arrêter de vous bloquer, de vous sacrifier aussi pour certains. Parce qu'il y a une forme de sacrifice dans cette image qui fait penser à Jésus, hein, clairement. On a la jalousie. Attention, ouais, il y a la fidélité. Il y a quelqu'un qui met du temps, qui ne se désengage pas forcément. J'ai l'impression que ça vous pèse. Si cette personne n'est pas capable de pouvoir vraiment prouver ce qu'il dit, ou qu'elle dit, attention, c'est dans les deux sens, bien sûr. Hein. Il n'y a pas que les hommes qui trompent. Hein. Ou en tout cas, il n'y a pas de jugement, en tous les cas, à avoir, hein, quoi qu'il en soit. Moi, je ne suis pas comme ça, mais je sens, voilà, il est question pour vous de prendre conscience aussi de votre propre valeur et de vous estimer. Et il y a un besoin aussi peut-être de faire un choix. Si vous êtes dans la triangulaire, vous êtes l'une des deux personnes, je sens qu'il y a un excès de jalousie et vous n'en pouvez plus, en fait, de cette situation parce qu'on vous promet des choses, mais j'ai l'impression que cette personne est toujours en couple, toujours mariée, toujours... Il vous dit, oui, je vais, je sens, tu es mon évidence, tu es ci, tu es mi. Mais en fait, où on en est, toujours pas de décision. On ne sait toujours pas où on va. Donc j'ai l'impression que, voilà, je sens que ça commence à pousser à ce niveau-là et vous, vous avez besoin de faits concrets maintenant. Donc attention à ce niveau-là. On va regarder pour les célibataires. Combien j'en ai ? 3000. Non, j'en veux pas autant. Sinon, déjà que je fais des vidéos longues. Alors, on a l'accomplissement. Ça, c'est cool. Il y a une renaissance. Hein. Vous étiez un peu égaré. Ben ouais, forcément, avec ça, vous étiez un petit peu égaré, un petit peu bloqué. Mais là, on vous parle de prise de conscience. Ok, donc c'est cool. Vous avez quelque chose qui vous coince un petit peu, les célibataires. Je vois qu'il peut y avoir un déménagement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être sur le lieu de travail, j'entends. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui touche à la maison, au foyer. Ça peut être même une personne autour de vous, hein. Un voisin, qui sait.
ou une voisine. Mais ça vous montre une personne, en tous les cas, on me montre que vous avez un besoin de... Comment expliquer ça? D'arrêter, oui, de vous bloquer, de vous justifier à ce que vous avez devez faire, pas faire, le chemin que vous avez envie de prendre. Pour certains, vous avez peut-être même envie de faire un bébé toute seule, un parcours pour avoir un enfant seul. Et ça, c'est, il n'y a personne qui n'a rien à en dire, hein, quoi qu'il en soit. C'est pas aux gens de juger. J'entends, voilà, il y a un... Après, ça peut être aussi parce que du coup, vous avez l'impression que le temps tourne, et ça, ça vous met la pression aussi, hein, d'avoir un enfant dans les temps, que l'horloge tourne. Alors, pour les couples, on vous parle d'amour, parce que vous rappelez-vous qu'au début, on avait le temps. On avait cette fameuse horloge aussi, hein, le tic-tac, tic-tac. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des couples? Beaucoup de communication, beaucoup d'amour, les Verseaux, ça vous fait du bien de parler, de communiquer. Il y a un besoin de pardonner aussi certaines choses. Il y a une femme en particulier qui ressortira. Pour vous tous, une polarité plutôt féminine. Le féminin emmène aussi, sur du général, à vous poser la question de la créativité, de la libération. Un besoin aussi de douceur. Peut-être vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de, voilà, de présence féminine aussi autour de vous. Si vous êtes une femme, ben voilà, il y a besoin de se centrer sur vous aussi, sur vos besoins. Et au niveau du sentimental, voilà, il y a une communication qui aide à retrouver une forme d'harmonie. Il y a un besoin peut-être de se dire aussi certaines choses, certains actes qui vous ont plu, déplu, quelque chose qui vous a blessé. Et on vous parle d'une communication qui vous aide à accepter en tout cas le pardon et qui vous aide à trouver le calme à l'intérieur de vous. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un petit like et vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Pour les séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas à vous retrouver mon site si vous en avez besoin. Et puis moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. On passe à vous les Poissons. On regarde pour vous ce que je vois. Alors j'espère que vous allez bien les Poissons. Allez, on y va. Quelle est l'énergie? Alors, les Poissons, ça saute dans tous les sens. On va prendre celle qui a sauté en première. Donc, on vous parle de cadeau. Ok, on est sur une énergie de cadeau. Les Poissons, de bonheur, de cadeau de là-haut, clairement. Des choses qui viennent à vous, une relation cadeau, une relation qui peut être... surprenante aussi, je vois qu'il peut y avoir des surprises sur ce mois de février. Ça vous dit d'accepter en tout cas ce cadeau. Qu'est-ce qu'on vous dit en défi? D'accepter l'évolution, d'évoluer, de faire évoluer une relation, de faire grandir une relation, de vous permettre d'avoir aussi un besoin avec vous-même d'évolution. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, pour certains, vous avez l'impression... peut-être les Poissons de je sais pas comment l'exprimer, je sens que vous avez un besoin, voilà, de grandir, d'évoluer, de prendre confiance en vous, voilà, c'est ça, de prendre confiance en vous et de croire en une relation, une surprise ou une nouvelle relation qui peut être riche de beaucoup de choses, mais vous devez passer par une évolution, continuer une forme d'évolution. On parle de correspondance et de discussion qui peut... Alors, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur Internet, ça peut être quelqu'un avec qui vous échangez également énormément. Attention, parce que j'ai l'impression que voilà, on a peut-être un besoin de comprendre aussi certaines choses, parce que la clairvoyance... Alors bien sûr, ça peut être quelqu'un de clairvoyant, mais ça peut être vous aussi, peut-être aussi par rapport à des dons aussi. Vous prenez conscience aussi peut-être de quelque chose au niveau d'une communication qui doit être peut-être plus douce et plus fluide pour pouvoir évoluer. Je sens qu'il y a un besoin, en tous les cas, les Poissons, d'évoluer et de faire grandir quelque chose. Et c'est votre défi. Parce que vous avez l'impression peut-être que les choses ne peuvent pas évoluer, ne peuvent pas avancer, ou vous, vous attirez par exemple que des personnes négatives, etc. Et pour d'autres, ça peut être une peur, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on vous parle d'une découverte. Voyez l'estime de soi. Vous avez un besoin de retrouver une forme d'estime de vous-même, ou en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur, de retrouver votre honneur, voyez, par rapport à la trahison.
il y a besoin d'arrêter de faire quelque chose. Alors, soit c'est une trahison qu'on vous a fait et donc du coup vous avez besoin voilà, de digérer cette information. Pour d'autres, si c'est vous qui êtes dans la trahison, attention, les choses pourraient être découvertes, sachez-le. On a la renommée, donc ça c'est très très bien par contre. Il y a besoin de retrouver l'estime de soi et il y a une possibilité vraiment de pouvoir avoir ce que vous souhaitez dans la relation. Si c'est une trahison, c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, vous allez faire des tris, hein, clairement. Vous allez trier en fait ce que vous ne voulez plus pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer. Parce que il peut y avoir aussi toujours le même type de personne qui s'approche de vous. Et en fait, on vous dit que finalement, de faire cette évolution, c'est un cadeau pour vous. Parce que ça vous emmène à votre libération. Ça vous emmène à trouver une bonne personne qui va vraiment vous correspondre, les poissons. Ou vous êtes déjà sur cette rencontre-là. Alors attention à votre infidélité, si pour certains, vous avez cette infidélité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore avec le tarot? Oh, magnifique. On a le pentacle. On a des très fortes cartes. On parle d'une relation naissante. En tout cas, d'une évolution avec une relation qui pourrait être naissante. Ou une relation qui est déjà en... Si vous êtes déjà en couple. Et oh, on a le soleil qui arrive. Magnifique, les poissons. Franchement, il y a besoin de retrouver de la lumière. Il y a peut-être une personne là. Vous allez faire une rencontre. Moi, c'est quelqu'un de nouveau hein, pour les célibataires. Quelqu'un de nouveau avec qui peut-être vous allez discuter, partager, qui va vraiment avoir les mêmes valeurs que vous. C'est ça, j'entends ça, on parle de valeurs. Donc il y a besoin de trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, parce que sinon vous savez que c'est mort, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression aussi pour certains qu'il y a la providence qui est dans les parages, parce que je vois une rencontre qui a déjà eu lieu, une nouvelle personne. Je ne dirais pas que ça fait longtemps que vous êtes en couple, enfin, je ne dirais pas que ça fait 5, 6, 7, 8 ans, vous voyez à peu près. Moins que ça. Et donc, du coup, je sens que voilà, vous avez encore des petites inquiétudes, mais vous avez vraiment le potentiel amoureux magnifique qui s'ouvre à vous, devant vous. Donc, j'ai l'impression que vous pouvez vous laisser porter pour pouvoir justement bâtir quelque chose d'hyper concret, d'hyper solide dans une relation. Pour certains, vous pourriez être dans une triangulaire ou attiré par une autre personne, les poissons. Et donc, du coup, vous sentez qu'avec cette personne, vous n'y attendez pas, elle vous tombe sur le nez ou il vous tombe sur le nez. Et vous sentez que vous êtes en train de dériver, gentiment mais sûrement, dans cette nouvelle relation, parce qu'il y a un énorme coup de cœur. Alors, on vous parle des petits nuages. Je me dis de prendre celle-ci. Et oui, parce qu'on a le soleil qui revient. Ok, qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous, les poissons? On me dit d'aller attraper celle-ci. Oh, trop choupi. Et on a l'étoile et les oiseaux. Alors, on parle d'une personne avec qui vous allez communiquer ou avec qui vous êtes en train de discuter. Il y a des échanges qui sont importants. Il y a besoin de comprendre aussi certaines choses ou une communication qui peut être une découverte pour vous et en tout cas qui peut vraiment vous permettre de mieux voir les choses, de mieux entendre et comprendre pour pouvoir évoluer dans votre vie. Il y a beaucoup d'espoir dans une relation. Vous êtes vraiment dans l'attente d'une relation. En tout cas qui vous correspond vraiment, d'accord? Ça vous dit qu'il y a encore des petites choses dans lesquelles ben, ça bloque un petit peu parce que ça évolue lentement, mais vous pourriez baisser vos armes face à une personne avec qui ben, vous êtes depuis certains temps et qui vraiment ça peut être magnifique. Pour d'autres, attention à la tentation ou en tout cas attention aux personnes que vous rencontrez parce que vous pourriez vraiment avoir une espèce de coup de cœur, un peu comme un coup de foudre qui pourrait vous tomber dessus et cette relation, vous ne l'avez pas vu venir et donc du coup, vous êtes dans la tentation de tromper si vous êtes déjà avec quelqu'un ou c'est vous qui êtes avec un homme ou une femme mariée, quoi. Je vois que vous attendez beaucoup de cette relation, etc. Mais ça évolue pas, donc c'est ce qui est un petit peu compliqué. Mais vous le prenez comme une providence, vous le prenez comme un cadeau. Et pour l'instant, voilà, vous vous laissez le temps pour l'instant d'avancer et d'évoluer encore dans la relation. Pour les couples, il y a une discussion, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, un peu de stress un petit peu autour de vous. Mais en tout cas, voilà, vous êtes porté sur des énergies plutôt douces. On regarde donc du coup pour les célibataires. On me dit, alors ok, les célibataires, il y a besoin de prendre de la hauteur. Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroue. Besoin de prendre de la hauteur, de peut-être pour certains faire un voyage, ça me parle de dépaysement.
Ça parle d'une prise de conscience. Hein. Je vous le disais, de toute façon, vous prenez de la hauteur par rapport à vous-même et vous sortez d'un égarement. Parfait. Vous étiez peut-être un petit peu perdu, mais là, j'ai l'impression que vous reconstruisez vos bases. Et ça, c'est quelque chose d'hyper chouette. Il y a une personne comme ça aussi qui pourrait partager les mêmes valeurs que vous. Mais vous devez vous détacher et ne pas être trop cœur d'artichaut. Hein. Les poissons femmes en particulier, un petit peu cœur d'artichaut, parce que vous êtes un peu utopiste souvent. Donc, du coup, attention à ne pas aller trop vite. Prenez le temps d'abord de voir les bases solides pour ensuite vous dire « Ah oui, je peux y aller » ou « Non, on ne partage pas les mêmes choses, je ne peux pas évoluer avec toi. » Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les triangulaires? Alors, les triangulaires, il y a une possibilité d'évolution au niveau sentimental. Avec cette personne, il y a un gros coup de cœur hein, pour certains. Vraiment, il y a quelque chose qui vous est tombé sur le nez, mais vous ne l'avez pas vu venir. Hein. Ça vous tombe comme ça un petit peu. Pour certains, vous avez une envie de vous libérer, mais alors vraiment. Vous avez encore certains blocages, visiblement, pour pouvoir justement vivre cette relation. Soit parce que ben, voilà, vous êtes marié ou en couple, donc vous savez que vous n'avez plus le choix que de devoir prendre des décisions, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt encore à les faire. Et après, pour certains, vous pourriez être face au mur, hein, par contre, et parce que les choses pourraient être révélées. Donc, ça peut accélérer ben, forcément la relation, parce que du coup, vous allez devoir faire un choix. Et pour si vous êtes, bien sûr, avec une personne mariée dans votre vie, j'ai l'impression qu'il y a encore des blocages actuellement, mais voilà, vous laissez les choses se faire et vous ne mettez pas la pression, en fait. Au niveau des couples, du coup. Au niveau des couples. Allez, on parle d'une communication, de discussions qui sont importantes, qui vous aident justement à sortir d'un état un petit peu difficile. Il peut y avoir quelque chose qui vous mine un petit peu l'esprit. Ah, de la jalousie, un peu de toxicité, peut-être quelqu'un. Attention, je vous disais au couple, hein, si vous avez... Vous pouvez basculer en triangulaire. S'il y a un coup de cœur, il y a une trahison. Vous basculez un peu dans la triangulaire, hein, d'accord? J'ai l'impression que, en tout cas, on est sur un mois du changement, ça c'est clair. Je vois qu'il est question peut-être d'une certaine jalousie excessive ou quelqu'un qui peut avoir des pics comme ça. Soit c'est parce que c'est une peur d'être trahi et donc du coup ça vous met sur la défensive. Soit vous avez des doutes sur une personne autour de vous, poisson qui change son comportement, qui est bizarre en fait, clairement autour de vous. Et pour d'autres, bon, il peut y avoir quand même une relation forte, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des petites choses quand même à faire attention sur ce mois de février. Il y a des changements qui vont avoir lieu, c'est inévitable, une évolution, mais vous voyez, vous avez des doutes sur des mensonges, ou vous doutez tout simplement qu'on vous mente, par peur en fait. Donc prenez le temps, en fait, de voir où ça mène. Si vous avez toujours ces doutes, si les choses s'accroissent, si les choses se confirment ou non, vous voyez, laissez-vous le temps. Et pour d'autres, il y a vraiment une relation surprise qui vous tombe sur le nez, qui va un petit peu venir vous perturber. Donc voilà pour vous les poissons, voilà pour vous tous d'ailleurs. J'espère que ça vous parlera à vous tous pour tous les signes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne. Ça me fait beaucoup, vraiment, ça me fait très plaisir, ça m'aide beaucoup. Donc vraiment merci et merci de m'avoir écouté. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs Perles. Vous retrouvez ce que je peux vous proposer pour vos guidances, donc n'hésitez pas. Et bien sûr, moi, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye !